Monsieur le recteur de l'Université de Genève, monsieur le président de l'Académie, mesdames, messieurs, j'ai envie de dire chers amis, parce qu'il y a des têtes qu'on revoit tous les deux ans à ce colloque Wright, j'ouvre le 15e colloque Wright pour la science. Il y a à peu près 30 ans, Dudley Wright avait commencé avec ses colloques, qui sont au fil des années devenus un événement important de la vie culturelle, et je ne dirais pas scientifique, mais quasi-scientifique, de la population genevoise. Et c'est avec un grand plaisir qu'on accueille un public toujours plus nombreux, anxieux de se mettre au courant des derniers travaux scientifiques et des dernières évolutions dans les domaines que nous choisissons tous les deux ans, en fonction de l'intérêt et de la diversité. Cette année, c'est un sujet relevant de la chimie que nous avons choisi. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait jamais traité la chimie dans les colloques Wright, et puis parce que c'est une année importante du point de vue historique pour la branche scientifique de la chimie, et qu'en plus, nous avons à Genève des industries chimiques qui sont discrètes mais importantes et auxquelles on tient particulièrement dans des périodes économiques difficiles qui touchent le secteur de la finance. Au fil des années, ce colloque est devenu aussi cher et important pour l'Université de Genève, et c'est pour moi ici, au nom de la Fondation, l'occasion de remercier très solennellement et avec beaucoup d'insistance l'Université de Genève pour l'intérêt, je dirais presque l'affection qu'elle porte au colloque Wright pour la science et l'entrain qu'elle met, l'énergie qu'elle déploie pour aider à mettre en place l'organisation. C'est vraiment l'occasion pour moi de remercier les cadres de l'université, le rectorat en particulier, mais tous les professeurs qui se sont succédés pour organiser l'aspect scientifique des colloques, mais remercier aussi tous les gens qui s'engagent. Il y a des cellules comme la passerelle Science-Cité, le service de presse de l'université qui s'engage très fort, et beaucoup d'autres gens, les techniciens qui sont ici, les gens qui préparent la salle. Et vraiment, j'aimerais leur adresser mes remerciements les plus chaleureux. J'aimerais aussi saisir l'occasion, sans insister trop, parce qu'il ne faut pas être trop long, pour remercier les médias. Les supports médiatiques sont essentiels à permettre au but des colloques Wright à être atteint. Et nous sommes reconnaissants aux médias des articles qu'ils publient sur les conférences, les conférenciers et les sujets. Les sujets sont souvent ardus, mais les journalistes se donnent la peine d'essayer de les comprendre et de les retranscrire. Et c'est un soutien qui nous est essentiel. Et enfin, naturellement, il faut remercier très, très chaleureusement les conférenciers. En acceptant de venir à nos invitations, vous donnez à ces colloques, par votre notoriété, vos qualités d'orateur, le reflet, la brillance qu'il leur faut pour que l'université ait plaisir à accueillir les colloques dans son sein et pour que le public genevois soit impressionné par la qualité des messages qui leur sont transmis. Il y a un peu plus de 30 ans, Dudley Wright a fait œuvre d'un véritable visionnaire. Et comme me le disait le professeur Holmes yesterday, he was certainly ahead of his time. Il n'y a aucun doute. Depuis lors, les choses ont évolué. Les scientifiques, la population et le monde politique a compris l'intérêt et l'importance qu'il y avait à ce que les sujets scientifiques les plus pointus soient plus ou moins compris par la population en général.
Et je pense que les colloques Wright, en ce qui concerne notre communauté, y ont largement contribué et ont peut-être fait avec les votations auxquelles la population suisse a été amenée de participer, que la population suisse est probablement sensiblement plus au courant, consciente des enjeux des travaux scientifiques qui sont en cours actuellement. Mais si Dudley Wright avait cette vision, ce n'était pas simplement d'une façon purement altruiste et désintéressée. Je ne parle pas de son intérêt personnel, mais désintéressée pour la société. Les développements scientifiques dont il va être question, ou dont il est question d'une façon générale, sont intéressants pour la société parce qu'ils débouchent forcément un jour ou l'autre, tôt ou tard, sur des applications technologiques qui permettent des développements industriels et qui soutiennent l'économie. Je pense que cet aspect d'application qui n'a rien à voir avec les conférenciers qui vont nous parler, qui eux sont des chercheurs purs de sciences fondamentales, mais cette application doit nous interpeller tous, en particulier la communauté de l'arc lémanique, qui a un besoin impératif de diversifier ses activités économiques de manière à mieux équilibrer le fonctionnement de cette économie locale. Je parle à dessein de l'arc lémanique parce que le canton de Genève est forcément largement dépassé, il faut voir nettement au-delà, mais l'arc lémanique est particulièrement bien placé pour se lancer dans ces applications avec des industries qui existent ou avec des industries nouvelles qui se constitueraient et qui se constituent, on lit ça dans les journaux tous les jours, et que ça, c'est un avenir extrêmement réjouissant et porteur pour l'ensemble de notre société locale. Je vous souhaite un très très bon colloque et je donne la parole au recteur de l'université qui va vous adresser quelques mots. Madame Wright, Monsieur le Président de la Fondation, Messieurs les orateurs de ce colloque, Mesdames et Messieurs, ce soir, c'est au nom de l'université et en mon nom personnel de la reconnaissance que je souhaite exprimer, de la reconnaissance tout aussi chaleureuse et solennelle que celle que, Monsieur le Président, vous avez exprimée vis-à-vis de l'université. En effet, vous l'avez rappelé, nous ouvrons ce soir le 15e colloque Wright pour la science. Ça fait donc 28 ans que la Fondation offre à Genève, tous les deux ans, une exceptionnelle semaine de partage entre la science et la cité. 28 ans que la Fondation soutient de fait l'une des trois missions d'université. Ces missions, vous le savez, c'est la recherche fondamentale, c'est l'enseignement, mais c'est aussi ce qu'on appelle les services à la cité. Et c'est là une notion un peu floue, pas tellement un peu diffuse, mais qui recouvre aussi bien le transfert de technologie que la formation continue que très précisément le type de communication et de conférence que ce que dont nous allons bénéficier cette semaine. Et au fond, ce qu'on peut constater, c'est que la recherche universitaire, elle permet à la fois d'élaborer du savoir, des nouvelles connaissances. Par l'enseignement, elle peut transmettre ses connaissances, mais par ce service à la cité, elle peut également diffuser ses connaissances au sein de la cité, à tous les milieux de la cité. Je crois que ceci est extrêmement important parce que cette troisième mission de l'université, elle est à la fois fondamentale et elle est nécessaire. Elle permet de décloisonner l'université, mais elle l'insère également étroitement dans la vie de la cité et fait voler en éclats l'image de cette tour d'ivoire, si jamais celle-ci a existé. Et je crois que, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, c'est ce que Dudley Wright a compris bien avant d'autres, et c'est ce que la Fondation a su promouvoir depuis bientôt trois décennies. Et la semaine que nous allons vivre, à cet égard et à d'autres, est exemplaire, puisque la Fondation nous offre cinq orateurs de la plus grande qualité, cinq conférences extraordinaires, et le panel de scientifiques
qui vont nous parler cette semaine est illustratif de ce qui est une des grandes caractéristiques de la Fondation Wright, c'est d'associer non seulement la science la plus en pointe, la plus intéressante, mais une science qui est présentée par ceux qui la font et qui la font au plus haut niveau à l'échelle mondiale. Monsieur le Président, merci encore à la Fondation et à vous-même de nous offrir ces moments de partage et bonne semaine à tous. Alors, je passe maintenant la parole au professeur Alan Wright, organisateur scientifique. Alan Williams. Alan, tu ne m'en voudras pas. Je suis un peu perturbé parce qu'il y a un objet qui vient de tomber et d'éclater à mes pieds. Je vais reconstituer pendant que tu viens ici. Donc Alan Williams est l'organisateur scientifique du colloque. Il est également professeur à la section de chimie et biochimie de la faculté des sciences. Je crois que c'est un des individus qui porte la chimie dans notre université. Eh bien, il va porter avec nous ce colloque cette semaine. Merci Alan. Et pendant ce temps, je vais essayer de reconstituer ceci. Mesdames et messieurs, monsieur le président, monsieur le recteur, je voulais juste vous donner quelques indications pratiques pour ce colloque ainsi que de vous esquisser brièvement le programme de la semaine. Vous aurez remarqué que les conférences seront données en anglais cette année toutes, donc un petit aperçu survol en français, quoique avec un accent anglais vous serez peut-être un peu utile. Du point de vue pratique, la conférence sera donnée dans quelques instants, si je ne parle pas trop longue, et ensuite, ceux qui veulent partir sont priés de partir tranquillement et assez rapidement. Ceux qui veulent poser des questions sont évidemment plus que bienvenus pour rester. Vous aurez reçu à l'entrée des petites fiches sur lesquelles vous pouvez marquer des questions qui peuvent être assez générales. Ils seront ramassés par des hôtesses et très rapidement après la fin de la conférence, nous espérons ouvrir la table ronde où tous les conférenciers s'exprimeront sur les questions posées. Donc je vous inviterai chaleureusement à poser des questions. Maintenant, il me paraît utile de vous dire quelques mots sur le sujet et thème de cette semaine, architecture moléculaire. Ce n'est pas vraiment la chimie, c'est l'architecture et moléculaire. Architecture, ça veut dire quoi? C'est une science de la construction, mais qui importe deux choses aussi. D'une part, la fonctionnalité. Il faut que ça serve à quelque chose. Un bâtiment qui n'est pas fonctionnel n'est pas trop apprécié. Et aussi la beauté. Alors, le mot moléculaire est un peu utilisé comme une étiquette. Maintenant, nous avons eu la biologie moléculaire, nous avons la gastronomie moléculaire, nous aurons bientôt les impôts moléculaires. Mais dans ce contexte, je voulais dire, c'est... ça donne l'échelle, c'est des objets qui sont construits à partir des atomes. Et l'architecture moléculaire s'exprime dans tous les matériaux qui nous entourent maintenant et jusque dans les processus vitaux de notre propre corps. Donc, c'est seulement par hasard 100 ans, presque au jour, que les premières images des atomes dans l'espace ont été obtenues en 1912, d'abord par Max Lowe et ensuite par père et fils Bragg. 50 ans plus tard, c'était l'année où deux prix Nobel ont été donnés à Watson et Crick pour la structure de l'ADN et puis à Peretz et Kundru pour les premières structures des protéines. Donc, il y a une évolution sur 100 ans. Nous ne parlerons pas de l'histoire dans ce colloque, mais plutôt des résultats tout récents et aussi, j'espère, de l'avenir, parce que nous souhaitons faire ressortir les questions qui doivent être résolues à l'avenir. Et donc, il y a deux aspects. Il y a d'une part, ces 10 dernières années, nous avons pu obtenir les structures des molécules de plus en plus compliquées contenant peut-être des centaines de milliers d'atomes. Et d'autre part, le côté créatif
du chimiste de synthèse a pu construire des matériaux nouveaux avec des propriétés étonnantes. Et le colloque essaie de montrer des deux choses. Et ils ne sont pas séparés, parce que l'observation de la nature inspire la créativité du chimiste de synthèse. Alors, très brièvement, nous commencerons aujourd'hui avec le canal de potassium présenté par Ulrich MacKinnon. C'est un exemple classique d'une structure qui est construite, fonctionnelle et belle. C'est une petite contrôle d'une petite fonction, mais c'est une petite fonction importante quand vous savez que parmi nous tous, 25% de notre énergie actuelle est utilisée pour transporter le sodium et le potassium à travers les membranes cellulaires. Demain, nous irons dans le monde des matériaux. Nous allons approcher, voir une approche novatrice vers la création des matériaux avec le professeur Takuzo Aida, des matériaux qui sont construits essentiellement à partir de l'eau. Bon, ce n'est pas totalement nouveau parce que je vous révèle que je suis moi-même un matériel construit essentiellement à partir de l'eau, étant à 70% de l'eau, mais je suis sûr que les matériaux du professeur Aida sont bien plus performants que moi. Ensuite, mercredi, nous entendrons le monde des polymères. Polymères qui est un petit peu plus que le sac en plastique que vous prenez au supermarché, mais qui ont des propriétés électroniques remarquables, permettant d'une part d'émettre la lumière et d'autre part de l'absorber et transformer en électricité. Et puis, jeudi, nous toucherons un domaine qui commence seulement à évoluer, la construction des machines à l'échelle nanométrique à l'échelle moléculaire. Et il faut savoir que la manière classique de construire des choses, c'est que le sculpteur, il prend un peu morceau de marbre, il le fait toujours plus en plus petite. Les machines dont vous parlera le professeur Lee sont construites à partir des atomes que vous mettez ensemble de manière à ce qu'ensuite ils peuvent bouger et bouger autre chose. Et enfin, nous allons terminer avec la chimie industrielle, carrément avec une usine. C'est une usine que nous avons dans chacun de nos cellules qui construit constamment les protéines qui sont en train de faire pousser vos ongles, faire pousser vos cheveux, plus ou moins selon les cas, et qui permet de traduire de manière sans faute l'information génétique en protéines que nous utilisons pour toute la vie. Donc, je vous souhaite très vivement de passer une semaine, disons, d'émerveillement avec cette science au plus haut niveau. Je réitère les remerciements de M. Maître Patry aux conférenciers. Il faut savoir, tous sont des scientifiques actifs qui ont bien voulu quitter le laboratoire pendant une semaine pour venir expliquer au grand public genevois ce qu'ils sont en train de faire. Je dois juste malheureusement vous prévenir que nous avons eu un petit problème audiovisuel aujourd'hui. Monsieur MacKinnon a un magnifique Macintosh qui est un poil plus avancé pour notre système audiovisuel. Et le résultat, vous verrez bien les choses, mais il y a une distorsion un peu malheureuse que les images vont paraître quelque peu élargies par rapport à leur hauteur. Donc, ils ne seront pas tout à fait aussi beaux qu'on aurait souhaité. J'ai rencontré le même problème avec la glace à la maison, parce que des fois, ça paraît un peu plus élargi par rapport à l'hauteur. Mais pour le moment, on n'a pas encore découvert de remède. Ceci dit, je suis sûr que vous aurez beaucoup de plaisir à écouter cette conférence. Et je donne la parole à mon collègue Howard Reitzman, qui est directeur du NCCR en Chemical Biology, qui va présenter le conférencier. Merci beaucoup. C'est un grand honneur pour moi que de pouvoir vous présenter notre orateur d'aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent écouter l'interprétation française, mettez vos écouteurs, sinon vous êtes obligés d'écouter mon misérable accent français, comme je le dis moi-même. Alors,
pas très important de l'évolution de la vie sur Terre est la création de la membrane cellulaire. La membrane cellulaire permet à la cellule de subdiviser ses fonctions en compartiments, mais aussi permet aux cellules de communiquer les unes avec les autres et de contrôler leur environnement interne. La membrane de la cellule permet l'accès à l'extérieur et permet sélectivement certaines molécules de traverser à travers cette membrane et permet également l'interaction hormonale entre cellules et donc leur communication. Au cours de l'évolution de la vie, elle a permis la multicellularité ainsi que le développement de la vie telle qu'elle existe aujourd'hui. Une des molécules importantes qui traverse la membrane cellulaire, une catégorie de ces molécules, c'est les ions. Et le sujet de ce soir, c'est le transport de ces ions à travers la membrane cellulaire, en particulier le potassium, qui est très important dans tous les tissus, mais en particulier dans les tissus cérébraux. L'orateur d'aujourd'hui, qui est l'un des orateurs les plus éminents et les plus distingués dans ce domaine au monde, a commencé à étudier la science très tôt, à l'âge de 11 ou 12 ans même, et il a passé tout l'été dans un cours d'approfondissement scientifique qui a, je crois, laissé une trace très importante sur son avenir. Il a passé son bachelor en biochimie à l'université Brandeis, son master à l'école de médecine de Tufts, et il a même été médecin stagiaire. Je crois qu'il allait bientôt devenir médecin. En fait, il l'est plus ou moins puisqu'il a fait son stage, mais il a décidé par la suite de se concentrer sur la science et la recherche fondamentale. Et je crois que cela a été quelque chose qui nous a beaucoup apporté puisque son travail nous a appris énormément de choses. Ses recherches fondamentales ont été vraiment extraordinaire. Après un post-doctorat, il est revenu à l'université Brandeis en 1996. Il est arrivé à l'université Rockefeller, qu'il n'a plus quitté depuis lors, et il est maintenant titulaire d'un grand nombre de prix. Je ne vais pas vous en donner toute la liste. Je tiens simplement à dire qu'en 1999, il a obtenu le prix Albert Lasker. Le prix Lasker est souvent accordé à des gens qui reçoivent par la suite le prix Nobel, mais en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé une nouvelle fois. En 2003, il a en effet été titulaire de deux autres prix et quelques autres entre-temps. Il a reçu le prix Louisa Gross Awards et le prix Nobel de chimie. Donc c'est un très grand plaisir, un très grand honneur pour moi que de passer, sans plus attendre, la parole à Roderick MacKinnon. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Thank you very much. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravi d'être ici ce soir et je ferai de mon mieux pour essayer de vous expliquer le sujet qui m'occupe dans mes recherches scientifiques. Il s'agit du système électrique de la vie. Je parlerai donc d'architecture moléculaire, d'une catégorie de molécules qui est chargée du système électrique de la vie. Mais avant de commencer à parler d'architecture moléculaire, j'aimerais, à titre d'introduction, parler du système électrique. En effet, vous savez sans doute toutes et tous que les cellules vivantes, les organismes vivants, créer des impulsions électriques puisque les électroencéphalogrammes, les électrocardiogrammes mesurent les signaux électriques qui viennent respectivement du cerveau et du cœur. Vous savez que les impulsions nerveuses nous permettent de bouger, par exemple le bout des doigts. Tout ceci est connu. Les impulsions électriques vont du cerveau le long de la moelle épinière jusqu'aux muscles de la main pour faire bouger les doigts si on le désire. Donc, nous sommes tous bien conscients de ce phénomène, mais en même temps, nous sommes un petit peu intrigués parce que nous savons aussi que la plupart des dispositifs électriques tels que les ordinateurs, les iPhones et autres
sont des dispositifs électriques qui ne contiennent pas d'eau. Nous savons au contraire que si nous les plongeons dans l'eau, ils ne fonctionnent plus du tout. Mais nous savons aussi que l'organisme humain est composé essentiellement d'eau. Donc, comment le système électrique fonctionne-t-il à l'intérieur d'un organisme? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer brièvement avant de parler d'architecture moléculaire. L'idée des signaux électriques dans les êtres vivants a été émise il y a plusieurs centaines d'années, au début du XVIIIe siècle, par un physiologiste italien qui s'appelait Luigi Galvani, qui a réalisé des expériences au cours desquelles il avait découvert que s'il prenait un arc métallique, que vous voyez ici, avec un bout de grenouille fraîchement préparé et qu'il touchait au bon endroit, il y avait une contraction musculaire qui se produisait. À l'époque, évidemment, on ne savait pas grand-chose de l'électricité. La physique de l'électricité était mal connue. Les gens connaissaient certes l'électricité statique, c'est-à-dire lorsque une journée d'hiver, vous marchez sur votre moquette et puis vous touchez le bouton de la porte et tout d'un coup, il y a une petite étincelle. Il y avait toute une série de réflexions à l'époque pour savoir si on pouvait stocker cette électricité. On pouvait à l'époque stocker l'électricité statique, mais pas beaucoup plus. Et Adjan Galvani, à l'époque, a estimé qu'il devait y avoir quelque chose d'électrique dans la contraction musculaire qu'il pouvait provoquer par cet arc. Petit aparté, un autre savant, un physicien du nom de Volta, a examiné l'expérience de Galvani de très près et s'est demandé pourquoi Galvani avait utilisé un morceau de métal composé à la fois de zinc et de cuivre, donc de deux métaux différents. Galvani n'a jamais expliqué cela à quiconque parce qu'il ne le savait pas lui-même. Volta, pour sa part, s'est concentré sur ces deux morceaux de métal et a affirmé, ça a créé une grande controverse, et il a affirmer qu'il n'y avait pas d'électricité animale parce que tout ceci était lié à l'électricité métallique. C'était dû au fait que ces deux métaux étaient connectés. Il a pris des disques de cuivre, de zinc, etc., les a empilés les uns sur les autres avec une sorte de gaz et une solution saline entre les deux et a montré en fait qu'il inventait la première batterie, la première pile, et il a montré qu'on pourrait réaliser un courant électrique en connectant les deux extrémités. Donc Volta avait raison, l'électricité était présente dans le métal. Du fait qu'avec sa pile, Volta a pu réaliser le premier courant électrique durable, il a été découvert peu après qu'il y avait un champ magnétique autour de cette bobine. Et c'est un savant du nom d'Ampère qui a étudié de près ce champ magnétique et qui a établi une relation quantitative entre le champ magnétique et le courant électrique. Et en fait, quelques autres savants, Faraday notamment, on dit si le courant électrique crée un champ magnétique, alors le champ magnétique pourrait peut-être créer un champ électrique, et c'est exact. Donc des aimants ont été réalisés, et vous voyez que tout ceci a été utilisé par la suite dans les moteurs électriques. Et ça n'était pas très longtemps après les expériences de Galvani. Et peu après encore, James Maxwell, ayant examiné les données venant de Faraday, venant des courants magnétiques et des champs magnétiques, a élaboré sa théorie de l'électricité et du magnétisme. En d'autres termes, combiner deux forces totalement différentes pour les unir dans une seule théorie qui, en réalité, connectait la lumière à ces forces-là. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? C'est parce que ce physiologiste qui a fait cette observation a incité Volta à lui montrer qu'il avait tort. Et tout ceci, en moins de 50 ans, a abouti à la découverte de l'électricité et à la maîtrise du magnétisme. Donc c'est tout de même très intéressant de voir à quel point une recherche scientifique a une incidence sur une autre. Il se trouve que Galvani, en fin de compte, avait raison. Parce que l'électricité sortant de cet arc métallique
n'était pas en réalité responsable de la contraction musculaire. Elle déclenchait la contraction musculaire, mais la contraction musculaire elle-même était en étroit rapport avec l'électricité qui avait été spontanément provoquée ou qui circulait à l'intérieur de ce tissu vivant. Il nous a fallu en réalité 200 ans pour comprendre ce qui se passait réellement là-dedans, en faisant appel à des disciplines scientifiques très différentes. Si vous prenez ici le petit dessin que je vous ai fait, n'importe quelle cellule vivante, si vous mettez un électrode à l'intérieur, voici la cellule, donc vous mettez une électrode à l'intérieur de la cellule et le fil à la terre à l'extérieur, le voltmètre indiquera le voltage, la tension technique qui va de moins 50 millivolts à moins 1 millivolt. Donc 1 millivolt, c'est un millième de volt. Donc 100 millivolts, c'est un dixième de volt. Ça n'est pas énorme, mais c'est quand même pas peu. Et c'est présent dans toutes les cellules vivantes. Vous voyez que j'ai ajouté quelques symboles ici pour le sodium et le potassium, et je vais vous expliquer pourquoi. Comment cela fonctionne-t-il? En d'autres termes, ce que j'essaye de vous décrire, c'est ce qui se passe dans la membrane de toutes les cellules qui est électrifiée dans toutes nos cellules vivantes. Pour comprendre comment cela marche, prenons ou imaginons, ou revenons en arrière, regardons cette image et imaginons, imaginons que nous prenions une partie de cette membrane et que nous l'examinions de près. Voici un petit dessin symbolique de ce que l'on pourrait voir. Il y a donc une membrane qui est faite de molécules lipides, de double couche, qui se trouve à l'extérieur. Ça, c'est à l'extérieur de la cellule et cette autre partie se trouve à l'intérieur de la cellule. Et à l'intérieur de cette membrane, intégrée dans cette membrane, se trouvent des protéines qui sont insérées donc tout au long de la membrane. Il y a beaucoup de types de protéines différentes dans la membrane, mais certaines transportent les ions. Parmi celles qui transportent les ions, il y a deux catégories principales. Une qui s'appelle les pompes. Ce sont les pompes à ions et l'autre qui s'appelle les canaux d'ions. Leur différence, c'est qu'une pompe à ions utilise son énergie, l'énergie de l'hydrolyse de l'ATP, la molécule qui se trouve à l'intérieur de la cellule et qui est transformée en ADP plus phosphate, et l'énergie de cette conversion est capturée. C'est un petit peu comme l'essence dans l'automobile qui contribue à son fonctionnement. Cette pompe à ions pompe le sodium dans la cellule et sans cesse fonctionne en pompant le sodium, en l'extrayant de l'intérieur de la cellule et en faisant entrer le potassium. Il y a donc beaucoup de sodium au bout d'un certain temps à l'extérieur de la cellule, présenté par les petits points rouges, et beaucoup de potassium, présenté en vert, à l'intérieur de la cellule. Cette pompe utilise donc l'énergie chimique pour réaliser le gradient. Le gradient, c'est la différence entre beaucoup de potassium à l'intérieur et beaucoup de sodium à l'extérieur. Les canaux à ions sont beaucoup plus simples, parce que quand les canaux sont ouverts, les ions traversent la membrane et diminue le gradient. Si le canal potentiel s'ouvre, du fait que le potassium a une concentration plus importante à l'intérieur, il commence à sortir de la cellule. C'est un petit peu comme si vous gonflez un pneu et que vous percez ensuite le pneu et la pression qui se trouve à l'intérieur est évacuée vers l'extérieur parce qu'elle est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Eh bien, c'est la même chose ici. Vous ouvrez le canal potassium et le potassium s'échappe vers l'extérieur de la cellule. Les ions, il y a des ions de potassium et de sodium dans l'eau qui portent une charge. Le sel dans la cuisine, si vous mettez du sel dans l'eau, ça se dissout et ça fait du sodium avec un plus et le chlorure avec un moins. Même chose pour le chlorure de potassium. Donc le potassium a une charge positive et lorsque le potassium monte, il porte une charge correspondante et cela met donc une charge négative à l'intérieur de la cellule et une charge positive à l'extérieur. C'est du fait que le potassium sort de la cellule qu'il électrifie la membrane. Et c'est la raison pour laquelle toutes nos cellules ont une charge à travers la membrane. Or, imaginez si le
canal de potassium se ferme. Désormais, le sodium peut rentrer. Le sodium rentre, la polarité s'inverse et ça devient donc positif à l'intérieur et négatif à l'extérieur. En termes très simples, c'est cela, l'origine de l'électricité dans les êtres vivants. C'est parce que la membrane cellulaire est un capaciteur électrique et que les pompes réalisent des gradients et que les canaux dissipent ces gradients pour charger la membrane. Voici un exemple de quelques types d'activités de canaux. Je viens de vous expliquer comment le canal potassium charge la membrane. Et il y a aussi des canaux de calcium qui sont spécialisés dans la reconnaissance du calcium. S'il laisse passer le calcium, qui généralement est faible à l'intérieur de la cellule, si le calcium pénètre à l'intérieur, eh bien le calcium peut par exemple provoquer la contraction musculaire. Donc lorsque les canaux calciques s'ouvrent, il y a contraction musculaire parce que les filaments musculaires sont invités à se contracter. Dans certaines cellules, certains neurones, lorsque le calcium pénètre, cela active un enzyme qui provoque l'activation de certains gènes. En l'occurrence, la pénétration du calcium à l'intérieur de la cellule active un autre messager qui poursuit le processus. Dans les reins, dans certaines cellules, il y a des canaux potassium et des canaux chlorure qui, quand ils s'ouvrent, tous les deux, laissent passer le potassium et le chlorure. Et c'est comme cela qu'il y a sécrétion potassium et de chlorure dans certains liquides. Voilà comment tout ceci fonctionne sur le plan physiologique. Inutile évidemment que vous vous souveniez de tous ces détails. Il y a deux concepts cependant importants à conserver en mémoire. Si vous réfléchissez à ces canaux et à la manière dont ils fonctionnent, il y a deux exigences fondamentales. D'une part, ces canaux doivent être sélectifs et spécialisés dans certains ions. Par exemple, lorsqu'un canal potassium s'ouvre, si le sodium entrait et le potassium sortait, les deux se bloqueraient au passage et il ne se passerait rien. Donc il faut qu'il y ait sélection du potassium en l'occurrence. Et d'autre part, les canaux ne sont pas ouverts tout le temps. Ils doivent s'ouvrir au bon moment. Donc il doit y avoir un moyen d'ouvrir et de fermer ces canaux. C'est ce qu'on appelle le gating, c'est-à-dire cette activité de vanne. Et donc cela doit se faire de façon sélective au bon moment. Ce dont j'aimerais parler maintenant, c'est l'architecture moléculaire de ces phénomènes. Comment le canal potassium laisse passer le potassium et de quelle manière les canaux de potassium s'ouvrent et se ferment en réaction à certains stimulus. Mais auparavant, je voudrais très brièvement vous montrer comment nous déterminons l'architecture moléculaire. En ce qui nous concerne, nous utilisons une technique qui s'appelle la cristallographie au rayon X. Dans cette technique, il faut commencer par créer un cristal de la protéine qui vous intéresse. Pour les protéines qui se trouvent dans les membranes cellulaires, imaginez par exemple que vous avez ici une petite membrane cellulaire avec des protéines. Il faut prendre les protéines, les extraire de la membrane et pour cela on utilise des détergents qui sont semblables aux des lipides ou des mélanges de lipides et de détergents mais qui ne forment pas tout à fait une membrane, qui mettent une espèce d'enveloppe, en l'occurrence des canaux ions, que nous purifions et qu'ensuite ensuite, nous trouvons les conditions dans lesquelles ce canal produit des cristaux. Voici l'image d'un cristal de protéines d'un canal ion. Cette barre, ça a 50 microns de diamètre. Donc, vous voyez, c'est 10^-6 mètres. Donc, c'est assez petit. Mais il y a beaucoup de molécules et de canaux ions à l'intérieur. Je crois que je devrais vous parler des cristaux de protéines. Les gens pensent très souvent qu'un cristal de protéines doit être quelque chose de peu naturel pour une protéine. Si l'on regarde une protéine dans un cristal, comment pouvons-nous être sûrs que c'est la même chose qu'une protéine présente dans une membrane, par exemple? Il faut donc procéder à des tests très précis, mais dans pratiquement tous les cas, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Ces cristaux ne sont pas comme des cristaux de chlorure de sodium. Ce sont des arrangements très spécifiques de protéines organisées de façon très régulière, mais avec de l'eau à l'intérieur. Un cristal de protéines typique est composé à 60 à 80 % d'eau. Et si vous cristallisez un enzyme
puis que vous mettez le substrat de cette enzyme, c'est-à-dire la molécule qui fera la réaction, eh bien cette réaction fonctionnera parfaitement bien. Dans le cas des cristaux d'ions, de canaux ions, vous pouvez mettre dessus l'ion qui est censé traverser ce canal, eh bien, il le traversera effectivement. Donc le cristal, c'est effectivement une condition naturelle de la protéine. Il est très difficile de réaliser ces cristaux. Il faut trouver les conditions dans lesquelles la protéine, en quelque sorte, acceptera de se cristalliser ou tolérera d'être transformée en cristal. Une fois que le cristal est réalisé, on le met dans un faisceau à rayons X. Généralement, c'est ce que nous faisons dans un synchrotron. Et l'on obtient un dessin qui ressemble un peu à ceci. C'est un motif qui, évidemment, ne ressemble à rien. Mais c'est grâce à ces informations-là, vues sous des angles très différents, d'ailleurs, du cristal, que l'on obtient les données que l'on ne peut pas transformer immédiatement en une image de la molécule. Il faut y ajouter des informations supplémentaires. Et ces informations sont les suivantes. Ceci nous donne l'équivalent d'une image très floue. Et pour focaliser l'image, pour la rendre plus précise, il faut faire des expériences supplémentaires. Une fois que ces informations ou données supplémentaires sur ordinateur, on peut obtenir une image beaucoup plus précise, une image qui ressemble à cela. Ce qui est en bleu, c'est ce qu'on appelle la densité des électrons, qui présente une forme cohérente. Ça ressemble un peu à quelque chose. Et on peut même reconnaître des acides aminés, c'est-à-dire les éléments modulaires de la protéine. Et on peut réaliser un modèle, puis trouver le modèle optimal qui correspond le mieux aux données dont on dispose. Et c'est comme cela que l'on détermine la structure que l'on voulait étudier. Comment représentons-nous les protéines? Si vous ouvrez un livre consacré aux protéines, vous constaterez des choses qui ressemblent à cela. Ce que je vous montre ici, c'est 4 représentations possibles de la même protéine. En l'occurrence, celle d'un canal de potassium. Ça, c'est ce qu'on appelle une représentation par fil, par ruban, par bâtonnet. Et ici, les atomes, toutes les positions des atomes sont montrées dans cette représentation, connectées par des liaisons. Et en l'occurrence ici, nous voyons une représentation beaucoup plus réaliste à l'échelle atomique de cette protéine. Si je vous montre cela, c'est parce que les protéines ressemblent vraiment à cela. Ce sont des agglomérats, des structures très condensées. Il n'y a pas beaucoup d'espace entre les divers éléments. Ce sont des éléments très peu incompressibles, tout à fait incompressibles, comme l'eau, par exemple. Il y a très peu d'espace libre entre ces éléments. Mais je montre très souvent des représentations telles que celle-ci parce que dans ces grandes structures de protéines, si je vous montrais cette représentation-là, vous auriez l'impression de voir un peu des œufs d'esturgeon. Vous ne verriez rien de bien précis. Alors que dans cette représentation-ci, on voit bien la forme de ruban, les chaînes de polypeptides dont sont conçues les protéines qui aboutissent à un polymère de 20 acides aminés différents et qui se plient ou s'organisent dans cette structure spécifique. Donc quand on voit une image telle que celui-ci, il faut bien se souvenir qu'en fait c'est un subterfuge, c'est une simplification excessive de quelque chose qui en réalité présente un grand nombre d'atomes agglutinés les uns aux autres. J'aimerais vous montrer autre chose. Lorsque nous étudions ces canaux ions, nous examinons non seulement leur structure, le sujet de ce colloque, c'est l'architecture moléculaire. Mais ces protéines ont aussi des fonctions. J'aimerais vous montrer 2 manières d'étudier les fonctions des canaux ions. C'est parce que je vous ai montré les canaux et les ions et l'architecture correspondante que je ferai une corrélation avec certaines fonctions spécifiques. Ce cliché s'intitule « Deux manières de mesurer la fonction des canaux d'ions ». En haut, nous avons isolé un petit morceau de la membrane cellulaire avec un canal unique. Et ça, c'est un canal ion spécifique, le nom importe peu. Ça s'appelle le canal dépendant du voltage, commandé par le voltage. Mais ce qui est important de garder présent à l'esprit, c'est qu'ici, nous pouvons modifier, avec un amplificateur externe, nous pouvons modifier le voltage sur la membrane
et examiner le canal en tant que fonction de ce voltage de la membrane. Et ce canal spécifique à moins 100 millivolts de membrane, le canal est fermé. Mais lorsque vous faites passer à plus 100 millivolts, vous voyez que à certains moments, le canal s'ouvre. Ça, c'est le courant mesuré ici. Ça, c'est le temps. Ce qui se passe, c'est que le canal est en train de s'ouvrir à 20 picovolts. Picoampères, pardon. Un picoampère, c'est 10 puissance moins 12 ampères. Dans la maison, nous avons des ampères. Mais ici, nous parlons de très, très faible courant. L'importance du courant dépend des circuits. Et dans ce circuit-ci, c'est un courant relativement important. Tout dépend des capacitants de la membrane cellulaire. Ce qui est important, en revanche, c'est qu'il faut comprendre, lorsque ce canal s'ouvre, vous voyez ici que le courant augmente et il passe à un niveau différent. Si c'était un robinet, par exemple, on verrait l'eau s'écouler, il n'y aurait pas d'eau, et puis ici, il y aurait quelques gouttes d'eau, et puis tout d'un coup, le robinet s'ouvrirait et il y aurait de plus en plus d'eau qui s'écoulerait. Et il y a en quelque sorte un phénomène d'activation et d'arrêt constant. C'est un concept assez intéressant d'ailleurs. Lorsque vous étudiez les molécules et que vous pensez en termes minuscules et l'architecture de l'infiniment petit, les choses se passent différemment de lorsque vous parlez de l'architecture en règle générale. Les règles sont différentes. Les bâtiments sont lourds, sont massifs, ils sont présents, ils sont visibles, ils conservent leur forme. Alors que dans l'infiniment petit, et quand le poids n'est pas très important, les fonctions sont différentes. Si vous examinez une protéine en temps réel, si j'étais un bâtiment, je serais là, comme ça, immobile. Si j'étais une protéine, je serais constamment en train de bouger. Je serais constamment bousculé. Ça n'a rien à voir avec le fait que les protéines sont mobiles par rapport au bâtiment. Non, c'est que le bâtiment lui aussi, il ressent ses fluctuations. Mais les atomes qui frappent le bâtiment ne sont pas suffisamment forts pour l'obliger à bouger. Lorsque quelque chose est suffisamment petit, en revanche, cette petite chose subit ses vibrations moléculaires et en fait le monde entier. La biochimie, la manière dont notre organisme fonctionne, notre cerveau, notre pensée, etc. Nous pensons que généralement tout ceci se déroule de façon simple, mais tout est en réalité stochastique, c'est-à-dire subit des fluctuations constantes. Une des choses très intéressantes de la vie, c'est que la vie peut donner naissance à des organismes tels que nous-mêmes qui sommes capables de faire des choses très complexes, par exemple parler, écouter, interpréter. Et tout ceci se passe dans une architecture qui, elle, ne cesse de subir ces mini-fluctuations. Vous voyez ici ce qui se passe. Les spécialistes de la molécule diraient la probabilité que ce canal est ouvert à moins 100 millivolts est très proche de zéro. Mais à plus 100 millivolts, il y a manifestement une probabilité finie que ce canal soit ouvert. Ça, c'est une toute petite fraction de la membrane isolée où l'on regarde une molécule qui s'ouvre et qui se ferme. Mais si vous regardez toute la cellule maintenant, lorsque ces canaux fonctionnent, on procède à ces modifications de voltage et on voit les modifications de fonction qui en découlent avec ouverture et fermeture. Ça, c'est la même chose dans les deux cas, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des centaines de ces canaux qui ouvrent ou ferment en même temps. En dessous de ces signaux très lisses, en fait, ils ne sont pas tout à fait lisses, il y a des oscillations en réalité, parce qu'il y a des fluctuations de milliers de canaux qui se passent en même temps, mais ça, c'est le courant qui en découle. Ça, c'est 200 picoamps et 10 nanoamps. Nanoampères, c'est 10 puissance moins 9 ampères. Donc, c'est 1000 fois plus grand que l'ordre de grandeur précédent. Donc, il y a un courant beaucoup plus important ici que dans l'autre cas. Ce sont deux façons différentes de regarder la même réalité. Passons maintenant aux canaux potassium. Combien y a-t-il de canaux potassium dans notre organisme? 78 gènes différents
code les canaux potassium. Ça, c'est ce qu'on appelle un dendrogramme, c'est-à-dire un arbre de famille. Vous avez ici le canal, le gène de canal. Il y a 78 petites branches, comme les branches d'un arbre. Il y a un cluster ici, donc toutes ces branches sont reliées les unes aux autres, mais un peu moins reliées par rapport à celle-ci, un peu moins reliées par rapport à celle-là, et encore beaucoup moins par rapport à celle-ci. Ce sont des branches totalement différentes. Donc nous appelons ça des familles à l'intérieur de cette grande famille des canaux potassium. Il y en a cinq familles différentes de canaux potassium. Comment se fait-il qu'il y en ait autant? Comment se fait-il qu'il y ait 78 gènes différents? Eh bien, il s'avère que des cellules différentes ont besoin de canaux de potassium différents réagissant à des signaux différents. Et c'est la raison pour laquelle il y a toutes ces variations. Je vais vous montrer quelques exemples. Mais au préalable, qu'est-ce qui réalise ces canaux potassium? Je vous ai dit qu'il y en a de nombreux différents, mais qu'il doit y avoir aussi des similitudes. Et la partie montrée en rouge est très semblable dans tous ces canaux. Et ces deux qui sont reliés ici ont une explication toute simple. Leur point commun, donc nous allons regarder la partie de cet arbre familial, cet arbre généalogique en quelque sorte des canaux potassium. La partie qui est semblable, c'est sans doute la partie qui réalise le canal potassium. Il est donc probable que les canaux potassium sont tous le fruit de l'évolution à partir d'un ancêtre commun. Comme dans toute formulation de l'évolution, il y a eu variation, mais la structure commune est la même que vous voyez ici. Ce que je vous montre dans ce film, c'est les quatre sous-unités d'un canal potassium qui s'étendent sur la membrane. La membrane va d'à peu près ici jusque là. À l'extérieur de la cellule se trouve là-bas et l'intérieur se trouve ici. Et la membrane est horizontale de la taille de ce que vous voyez à l'écran. Et cela réalise un pore qui traverse la membrane. Il y a donc quatre sous-unités identiques qui sont à peu près symétriques et qui créent le motif du canalion. J'enlève deux de ces sous-unités, je regarde simplement les deux autres en coupe. Vers le milieu, vous voyez ici le port de conduction de l'ion. Je vous ai dit que les protéines ont des atomes qui remplissent l'espace. Ça, ce sont des représentations simplifiées qui suivent la chaîne polypeptide, ce qui nous donne une petite idée de la forme. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Il y a la densité électronique que je vous ai présentée ici. Ça semble pertinent parce que ce sont des ions de potassium. À l'intérieur de la protéine, c'est une ion de potassium entourée par l'eau. Si je demande à une personne dans la salle quelle est la partie de ce dessin qui ressemble à un canal potassium, vous diriez sans doute ça doit être cette partie-ci qui est en interaction directe avec ces ions de potassium alignés. En fait, les ions de potassium qui ne sont pas en haut n'ont pas d'eau à l'intérieur. Il se trouve que cette partie présentée en jaune à l'écran, si vous regardez les gènes des canaux potassium, pour des organismes qui vont des bactéries jusqu'à l'être humain, à travers toute la gamme, y compris les plantes, la partie qui est présentée en jaune est pratiquement toujours la même dans tous ces organismes. La même, c'est ce que je vous montre, le codage à lettre unique des aminoacides. Les acides aminés, comme je vous l'ai déjà dit, si une protéine est réalisée de séries de petites boules qui sont à coller les unes aux autres, les savants ont associé ces 20 acides aminés avec, ou ça fait un peu de petite boule, avec des lettres TAT, TVG, YG. C'est la tyrosine, glycine, etc. etc. Cela crée l'arbre de la vie, en quelque sorte. Ce sont les éléments constitutifs de l'arbre de la vie. Au niveau du gène, on peut donc déjà vous dire, sans hésitation,
quelle que soit la manière dont les canaux d'ion, de potassium sont sélectionnés, les éléments, la séquence de signature de ces canaux est identique. Et c'est la raison pour laquelle je voulais devenir un spécialiste de cristallographie aux rayons X, parce que je voulais voir à quoi cela ressemblait. Voici précisément le détail de ce fil que je vous ai montré ici en jaune, et je le montre maintenant en tant que représentation sous forme de bâtonnet, c'est-à-dire où à chaque point, vous trouvez, à chaque point de contact, vous voyez un atome. Et les atomes importants de la protéine sont présentés comme des petites boules rouges. Ce sont des atomes d'oxygène de cette structure atomique qui sont tous tournés vers les ions potassium présentés en bleu et vert. Ce que vous voyez, c'est donc l'ion potassium qui est dans une petite cage de 8 atomes d'oxygène et 4 en haut, 4 en bas pour chacune de ces petites cages. Et le canal de potassium, que doit-il faire? Première chose, transporter du potassium et pas du sodium. Et le potassium et le sodium, quand ils se trouvent dans l'eau, sont entourés de molécules d'eau. Et en fait, les oxygènes des molécules d'eau tendent vers le potassium chargé positivement. Et la protéine, qu'est-ce qu'elle a fait ici? Sa structure a imité le phénomène d'hydrogénation. Donc l'ion de potassium, sans grande dépense énergétique, sortir de l'eau et être encagé par la protéine. Il s'avère que le sodium, ce qui est assez intéressant, est beaucoup plus petit. Il ne rentre pas. Et de façon expérimentale, si vous essayez de poser du sodium dedans en enlevant le potassium, la structure s'en sera complètement modifiée, elle va s'effondrer dans le centre, il n'y aura pas de liaison au centre. Cette structure n'est stable que grâce au potassium. C'est quand même extraordinaire. Imaginez-vous que vous êtes au début du temps et on vous demande, tiens, on a besoin d'un canal de potassium, est-ce que vous pouvez en construire un? Très bien, si vous arrivez à présenter une structure protidique qui ne peut maintenir sa structure de conduction que s'il contient du potassium. Alors, ce que vous voyez ici, c'est la protéine qui est en train d'imiter le processus d'hydrogénation pour l'ion de potassium, mais pas pour l'ion de sodium, parce que ça coûte davantage au sodium du point de vue énergétique pour se déshydrater. Et donc, vous ne récupérez pas toutes ces molécules d'eau parce qu'il n'y a pas de contact avec tous les atomes d'oxygène. Donc vous avez une imitation de la structure de l'eau avec des sites de liaison séquentiels. Donc les ions peuvent rentrer, sortir et diffuser vers l'intérieur, vers l'extérieur, ou de l'extérieur vers l'intérieur, ou de l'intérieur vers l'extérieur, selon le gradient déterminé par la pompe. Là, il n'y a pas de pompage. C'est simplement un canal qui permet aux ions de partir, mais seulement le bon ion, pas les autres, de s'échapper. Donc, c'est l'architecture, la chimie de cette partie qu'on appelle ce filtre de sélectivité, qui est le propre de tous les ions de potassium qui existent dans la nature. Jusqu'à ce jour, on n'a pas trouvé d'exception à cette règle. Maintenant, nous allons passer à autre chose, à l'autre question que j'ai soulevée auparavant, à savoir comment ça se fait, cette ouverture et cette fermeture. Comment est-ce que c'est lancé, cette ouverture et ces fermetures? Je vais vous donner trois exemples pour illustrer mon propos. Donc, à partir de ces 78, à partir de ces 78 gènes, on ne les connaît pas tous, on connaît la structure d'au moins l'un de ces groupes. Surtout ce groupe-là, on le connaît particulièrement bien, mais je vais vous donner trois exemples que nous comprenons le mieux, mais vous expliquer comment nous commençons à comprendre, comment les cellules donnent des ordres aux canaux pour qu'ils s'ouvrent ou ils se ferment. Premier cas, premier exemple, c'est un canal de potassium qui est régulé par ce qu'on appelle un lipide de signalisation. Donc ce canal, c'est ce canal de potassium qui fait ce que je vous avais dit tout au début de ma présentation. C'est un canal qui contrôle le potentiel de repos. Donc vous avez le gradient qui est là dans la membrane et qui
rend négatif en laissant sortir le potassium. Mais certaines cellules peuvent contrôler le niveau, le nombre d'ouvertures qui se font. Comment font-elles avec ce canal qui réagit à une lipide? Donc la membrane cellulaire est composée de molécules de lipides, mais il y a des molécules de lipides particulières. PIP2 est une de ces molécules. Quand elle se lie au canal, elle ouvre le canal. Donc le niveau de la PIP2 dans la membrane est contrôlé par toutes sortes d'enzymes. Il y a des enzymes qui peuvent enlever le phosphate ou le rajouter, ou des enzymes qui peuvent transformer la PIP2 dans d'autres cellules en découpant une partie de la PIP2. Donc c'est une molécule dans la membrane cellulaire qui contrôle ce canal, et la cellule peut déterminer le niveau pour réguler beaucoup de processus, y compris l'activité de ce canal. Donc, on va voir comment la PIP2 fonctionne. Je vais vous en donner un exemple de ce que cela donne quand on regarde une membrane sans PIP2 dans la membrane ou avec PIP2 dans la membrane. Voici une membrane avec un seul canal, un cas où il n'y a pas de PIP2. Et ça, c'est une représentation d'un canal unique. Donc, ce que vous voyez, c'est du courant, fonction du temps, donc pas de courant, c'est parce que c'est clos, il n'y a pas d'activité. Voici une pourcent de PIP2, voici c'est clos, c'est ouvert. Ce que vous voyez ici dans cette membrane comparée à l'autre membrane, c'est ce canal qui est en train d'être ouvert tout le temps. Là, ça se clos et là, ça s'ouvre. Donc, il s'ouvre et se clôt très rapidement. Vous voyez ces petites pics, mais il y a surtout de la conduction lorsque la composition lipidique de la membrane est d'un pour cent PIP2. Donc comment est-ce que nous comprenons l'architecture de ce qui marche? C'est facile, on détermine la structure de cet ion, de ce canal, en présence ou quand il n'y a pas de PIP2. Voilà ce que cela donne. Donc ça va commencer à tourner, vous allez voir, dans 3 secondes. Voilà, c'est parti. Donc voici le canal sans PIP2 dans le cristal et voici le canal avec du PIP2. Et PIP2 est lié ici, un sur chaque sous-unité, il y en a 4 dans chaque anneau. Donc vous voyez, il y a une différence architecturale entre les deux. Ce canal ici recouvre la membrane et cette unité va jusque dans la cellule, dans le cytoplasme de la cellule. Vous voyez? Donc, c'est très serré contre la partie transmembranaire, simplement parce que la PIP2 a réalisé des interactions pour que cela se passe comme cela. Donc, quand il n'y a pas PIP2, voilà à quoi ça ressemble. Et avec PIP2, voilà à quoi ça ressemble. Alors, je vais vous montrer un film morphé entre cette structure et cette structure-là. Donc, vous allez vous rendre compte, quand je vais vous montrer ce film, le début et la fin du film, ça, ce sont des structure de cristaux qui repose sur des fêtes. Et entre les deux, on utilise une technique pour voir, des techniques cinématographiques pour voir la transformation. Mais ça vous donne une idée de ce qui est en train de se passer. Donc, simplement pour vous dire que nous n'avons pas les structures de toutes les phases intermédiaires, mais on peut imaginer ce à quoi elles pourraient ressembler. Donc, voilà, ça commence. Donc, il n'y a pas de PIP2 et les PIP2 sont prêts à intervenir. Et quand elles interviennent, vous voyez un mouvement vers le haut. Voilà, on recommence pour que vous voyez bien. Il y a toutes sortes de boutons et j'appuie sur le mauvais bouton à chaque fois. Voilà, et maintenant je ne le retrouve même pas. Voilà, du pointeur, voilà. C'est parti. PIP2 se lit, vous voyez, et ça monte. Donc, on va regarder un agrandissement. Quand il y a liaison PIP2, regardez les phosphates, interagissent avec ces acides aminés qui sont des arginines. Et c'est ce qui donne cette élévation. Et ces arginines ici sont chargées positivement. Sont chargées positivement à l'intérieur et le PIP2 les force à sortir. Donc, imaginez, c'est un canal de potassium où il y a des ions
positives de potassium qu'ils traversent. Donc ça commence avec ces charges positives le long du pôle de conduction qui crée une barrière électrostatique qui repousse le potassium, le PIP2 se lie, ils sortent et donc les hélices commencent à se élargir, à s'étaler. Donc je vous montre cela comme cela. Donc il y a un changement lié à la liaison de la PIP2 qui fait que cette partie de la structure monte, ouvre un tout petit peu les hélices et transporte les arginines, les déplace. Donc on va de ici jusqu'à là, les arginines sont déplacées. Donc en fait, c'est quelque chose de très simple qui est en train de se faire. Les molécules lipides se lient, modifient la forme de la protéines et ouvre les pores de conduction. Donc en se fondant sur l'architecture, on voit comment ce canal s'ouvre et se ferme. Passons maintenant au deuxième exemple. Deuxième exemple, c'est un canal qu'on appelle le GIRK. C'est un canal dont les vannes sont activées par les protéines. Une protéine G, sous-unité delta gamma. Donc cette sous-unité est libérée d'une autre protéine G qui est un récepteur couplé. Et le récipiendaire du prix Nobel de chimie cette année, ce sont deux scientifiques qui ont compris les mécanismes, comment ces récepteurs de protéines G couplées fonctionnent, surtout le récepteur bêta-adrénergique. C'est une liaison entre le bêta-alpha-gamma lorsqu'un neuromédiateur se lie à ce récepteur de G protéines couplées. Ils sont libérés avec un canal potassium, il y a une liaison, ce qui fait que le canal s'ouvre. Ce mécanisme que je vais vous expliquer est assez intéressant. Ce mécanisme contrôle votre débit cardiaque, votre rythme cardiaque, ce canal de potassium. Et c'est un physiologiste, Otto Loewi, qui a fait la découverte suivante. Il a découvert, s'il prenait le cœur d'une grenouille, l'isolait et vous isolez un nerf qui va vers le cœur, le nerf vagal, vous le stimulez, cela ralentit le rythme cardiaque. Donc, beaucoup de gens le savent. Et il y a eu pas mal de discussions pour savoir comment est-ce que le nerf vagal dit au cœur de ralentir. Alors, deux idées de base. L'idée de base, c'est que à ce moment-là, tout le monde acceptait l'idée de l'électricité, des impulsions électriques. Ils ne connaissaient pas tous les détails, mais ils avaient compris qu'il y avait de l'électricité dans le corps. Donc on s'est dit, voilà, l'impulsion électrique part directement pour affecter l'électricité du cœur sans qu'il y ait un intermédiaire chimique, c'est-à-dire qu'il y a un couple électrique entre le nerf et le muscle cardiaque. L'autre idée, c'est qu'au bout du nerf, il y a un neuromédiateur et il y a des gens qui se sont intéressés à cette partie-là. Donc c'est ce qu'il a fait, Loewi, il a stimulé le cœur, il l'a surstimulé, il a recueilli le perfusa et il a appliqué ce perfusa à un autre cœur de grenouille sans nerf et le cœur s'est ralenti. C'est très intéressant parce que ça a été la découverte de la transmission synaptique. Et Loewi, enfin, il se trouve que le médiateur, c'était l'acétylcholine dans le système cholinergique. L'acétylcholine avait été découverte par Dale et Loewi et Dale se sont vus attribuer le prix Nobel dans les années 30 pour la découverte de la transmission chimique. Donc, il y a quand même un aspect intéressant à cette expérience d'Otto Loewi. C'est difficile de le croire, mais voici l'histoire. Il dit qu'il a rêvé cette expérience. Il était au lit, il était endormi, il a eu un rêve. Il a fait cette expérience, il a rédigé ce qu'il avait rêvé et il s'est rendormi. Et ensuite, il s'est réveillé le lendemain matin, il n'arrivait pas à lire ce qu'il avait écrit. Il n'arrivait pas à lire son écriture. Voilà ce qu'il a dit.
Donc il s'est dit, évidemment, était fou de frustration, mais un autre soir, il a fait le même rêve, j'ai de la peine à le croire. Et cette fois-ci, quand il s'est réveillé, il a, au lieu d'écrire, il était sûr de ne plus pouvoir lire son écriture, il est parti directement au laboratoire pour faire le test. Imaginez, j'ai fait un rêve et j'ai fait une expérience si intéressante, j'ai obtenu un prix Nobel, j'ai écrit ce que j'ai découvert et je n'arrive plus à relire mon écriture. Donc voilà l'histoire, la petite histoire. Dans notre laboratoire, on peut faire la même expérience de façon simplifiée. Donc, on prend un œuf, un nouveau site de grenouille, on exprime avec de l'ARN et en encodant les protéines. Et les protéines sont synthétisées par un processus dont vous entendrez parler par le docteur Ramakrishnan vendredi. Donc, vous exprimez le GPCR, qui est un récepteur d'acétylcholine, et la protéine qui est, dont le la vanne est déterminée par la protéine. Donc, vous voyez, c'est le courant lisse, fonction du ton. Vous avez de chlorure de potassium et vous avez des ions de potassium qui se trouvent de façon naturelle dans cet œuf, vous ajoutez de l'acétylcholine et vous voyez ce courant. Et pour être sûr que c'est vient de là, vous ajoutez du TPNQ qui inhibe ce canal. Et vous voyez que tous les canaux activés par l'acétylcholine peuvent être inhibés. Donc cela signifie que ce courant est branché parce que vous ajoutez l'acétylcholine, cela stimule ce récepteur protéine G couplé qui libère ces protéines G et le bêta-gamma active le canal pour qu'il s'ouvre. La question est de savoir, mais comment est-ce qu'on branche le courant ici? Donc, on dessine la structure et à ce moment-là, on comprend ce qui se passe. On connaît toutes les parties, simplement parce qu'on a résolu la structure du canal de protéine G qui ressemble beaucoup aux autres canaux activés par la PIP2 et la PIP2 est liée également à ce canal. Ici, vous avez le récepteur protéine G couplé lié au bêta-gamma dont on a parlé dans le travail de Brian Kabilka, le récipiendaire du prix Nobel de cette année. Donc, ils arrivent et ils branchent cela. Donc, si vous résolvez la structure du canal de potassium en présence de bêta-gamma, ah, il y a quelque chose de très intéressant que je voulais vous montrer. La nature est quand même extraordinaire. Vous voyez ces petits gribouillis. Ces gribouillis sont là parce que c'est une lipide liée par covalence à la protéine. Quand il y a libération, elle ne s'écarte pas de la membrane. C'est une simple diffusion de la membrane, donc elle n'est pas libérée de la membrane, reste dans la membrane de façon très intelligente. Et il y a diffusion, trouve le canal des ions et s'y lie. Et quand ça se passe, voilà ce que cela donne. Donc, vous voyez, ce canal activé par la protéine G qui se trouve dans notre cœur, qui contrôle le rythme cardiaque. Donc, imaginez la membrane à l'extérieur de la cellule. Et à partir d'ici, on est à l'intérieur de la cellule. Donc, toutes ces choses se trouvent à l'intérieur, mais juste en dessous de la surface membranaire. Et en plus de la PIP2 pour ce genre de canal, chaque sous-unité est liée à du bêta-gamma. Donc, c'est une grosse protéine avec tous les atomes. Ça aurait la taille d'un très, très, très grand ballon. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, comment cela ouvre les canaux? Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un film de ce canal potassium sans la protéine G et ce qui se passe lorsqu'il y a liaison de la protéine G. Mais je ne vais pas vous montrer la protéine G parce que ça prendrait trop de place. Simplement regardez ce qui se passe au niveau de la structure de l'architecture lorsqu'il y a liaison avec la protéine G. Donc voilà, on commence. Liaison de la protéine G, voilà, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. C'est reparti pour un tour. Allez, on recommence. Et puis ensuite, j'appuie sur le bon bouton, mais je ne trouve plus le pointeur. Bon, alors,
ce qui se passe. Donc ça se retourne, voilà, et ça commence à s'ouvrir. Vous voyez, les hélices commencent à s'étaler. Lorsque cette partie de la cellule tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, il s'ouvre, les hélices s'ouvrent, voilà, un agrandissement. Donc quand il y a la liaison avec la protéine G, le pore commence à s'ouvrir, il y a dilatation, ce pore. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas dilatation totale, ouverture totale. Donc on a fait d'autres expériences, et les autres expériences étaient les suivantes. Avec cette structure protéique, sans la protéine G, on arrive à faire des mutations de poils, les uns après les autres. Donc nous avons modifié des acides aminés qui, d'après nous, paraissaient importants dans la mécanique, dans la façon dont cette protéine fonctionne. Et l'un de ces mutants a fait que ce canal s'ouvre, même lorsqu'il n'y a pas de protéine G. Et je peux vous montrer l'expérience qui le démontre. Donc voilà, même expérience que nous avons faite. On ajoute de l'acétylcholine, le courant est branché. Et ensuite, vous ajoutez le bloc, et il y a une inhibition, et dans cette mutation on a changé un acide aminé. Quand vous ajoutez le potassium à l'extérieur, vous avez beaucoup de courant, et quand vous ajoutez de l'acétylcholine, il y a très très peu de courant. Maintenant vous ajoutez l'inhibiteur et vous remarquez que beaucoup de courant qui a été branché en l'absence de l'acétylcholine, c'est le canal GIRK. Donc, pour une raison ou une autre, on a cassé ce canal et il reste ouvert en permanence. Alors, à quoi ressemble sa structure? Donc, ça, c'est du travail d'enquêteur qu'il faut faire dans ce domaine. Quand vous obtenez un seul résultat, ça ne veut pas dire que vous avez tout compris. Vous continuez les expériences. Maintenant, je vais vous montrer le film Morphée, donc de canal fermé à l'architecture de ce canal mutant qui reste ouvert en permanence. Voyez ce qui se passe, voyez, le mouvement est beaucoup plus large avec une véritable ouverture de ces hélices. Et quand vous regardez dans le centre, vous voyez qu'il y a tant une rotation et en même temps une ouverture. C'est une espèce de balancement, de basculement. Donc il y a rotation et on ouvre et ça roule. Et ce genre de mouvement, quand on regarde l'agrandissement, il y a une forte ouverture des pores, donc la vanne est en train de s'ouvrir. Donc ça, c'est la mutation qui existe même quand il n'y a pas de protéine G. Alors, qu'est-ce que cela nous fait comprendre quant à l'activité de la protéine G? Maintenant, je vais vous montrer autre chose. C'est un autre film. C'est un film de ce qui se passe si il y a d'abord morphing du canal fermé vers le canal activé par la protéine G, et de ce ion activé par la protéine G, vous voyez, il y a un message qui va passer. Donc rotation et ensuite balancement. Et vous allez regarder quand on va le voir par le haut. Donc ça recommence deux fois de suite, rotation, ensuite balancement. Et quand on regarde du haut vers le bas, on voit que la liaison de la protéine G occasionne la rotation, le début d'ouverture. Et puis ensuite, ce qui se passe, c'est que les sous-unités se balancent et il y a une ouverture. Donc c'est quelque chose de séquentiel, et je vais vous montrer cela par schéma sur la diapo suivante. Voilà. Donc, voilà à quoi ça la ressemble. Vous avez un canal fermé. Les récepteurs protéines G couplés, activés par les acétylcholines. Les bêta-gamma sont libérés pour se lier au canal. Et vous avez une infrastructure, une architecture intermédiaire où il y a eu rotation, début d'ouverture. Mais ce qui se passe, c'est qu'il se peut qu'il y ait un autre changement de confirmation qui ouvre grand. Donc, quand j'ai constaté cela, je me suis rendu compte, ah ah, ça est logique du point de vue électrophysiologique de ce que j'ai vu enregistré dans les laboratoires. Si on isole un morceau de membrane avec le canal intérieur, on ajoute des protéines G, ce qu'on constate,
Et c'est ici, vous avez deux voltages différents, donc le courant, le temps. Lorsque les canaux s'ouvrent, c'est comme s'ils n'ont pas envie d'être ouverts. Ils s'ouvrent, mais ils ne restent pas stables. Donc, ce qui se passe, c'est que les protéines G se lient, donc la position est ouverte, mais ensuite, il faut qu'il y ait un aller-retour permanent, ce qui est tout à fait cohérent avec cette ouverture finale suite à la liaison des protéines G. Donc, c'est bien un phénomène séquentiel. Mais imaginez ce qui est en train de se passer quand mon rythme cardiaque se ralentit, le nerf vagal stimule. L'acétylcholine arrive sur un récepteur, active les protéines G, il y a diffusion sur la membrane, se lie au canal de potassium et on se passe ensuite en confirmation et il y a à ce moment-là cette ouverture-fermeture extrêmement rapide, ce qui donne cette espèce de scintillement. Il y a toutes sortes de facteurs de régulation. Je n'ai pas dit ce que faisait la PIP2 avec ce canal et les ions de sodium font au niveau de ce canal. Mais j'ai l'impression que ce canal est stimulé par les protéines G et par des multiples de stimuli pour déterminer son degré d'ouverture. Pourquoi est-ce que ça ralentit le rythme cardiaque? Parce que vous avez davantage de courant de potassium et le signal de dépolarisation, le potentiel d'action des stimulateurs cardiaques, des cellules de stimulation cardiaque dans le cœur sont accélérés parce qu'il y a davantage de canaux potassium ouverts, ce qui fait qu'on a ce phénomène. Enfin, dernier exemple, je n'ai plus que quelques minutes, je voulais vous parler d'un troisième exemple très brièvement. Et en fait, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est un autre canal de potassium. Ce n'est pas quelque chose qui est contrôlé par un lipide ou par une protéine. C'est en fait le voltage qui contrôle le canal. Et je vais vous présenter l'histoire comme suit. Alors, regardez ce qu'il y a à l'écran. Dites-vous que c'est un long tube, un cylindre long, et on a une coupe du cylindre. Donc voilà ce qui se passe à l'intérieur du cylindre, et ça c'est à l'extérieur du cylindre, et ça c'est en dehors. Donc c'est une cellule tubulaire, un axone. C'est donc une cellule de cerveau qui me permet justement de tendre mon doigt. Alors on sait qu'une impulsion nerveuse me fait bouger mes doigts. Donc voilà, il part du cerveau, ça va jusque dans les doigts. Alors imaginez qu'on se concentre sur une toute petite partie de ce nerf, sur cet axone qui va de gauche à droite, ici à l'écran. Et on regarde la partie où le potentiel d'action, le potentiel électrique est en train de basculer. Alors ce qu'on voit ici, c'est en fait un canal de sodium ouvert qui est en train de s'ouvrir. Le sodium s'y précipite, fait que la membrane est positive à l'intérieur par rapport à l'extérieur. Donc tout ce cylindre devient positif ici. Et à ce moment-là, on se dit que cette membrane comparée à tous les autres endroits est négative à l'intérieur en raison des canaux de potassium. Ici, là, en raison du canal de sodium, c'est positif à l'intérieur. Donc si on prend un cliché une milliseconde suite à cela, ce potentiel positif va se déplacer. Si l'impulsion va de gauche vers la droite, il va se déplacer un tout petit peu vers la droite et encore un tout petit peu vers la droite. Donc, en ce sens, on aurait cette image qui continuerait un petit peu comme l'effet domino. Donc, la raison pour laquelle ça se fait comme cela, c'est parce que ces deux canaux sodium et de potassium juste dans le voisinage sont fermés à droite, mais ils vont s'ouvrir. Et le canal sodium pour commencer, ensuite le canal de potassium, ils vont s'ouvrir. Pourquoi ils vont s'ouvrir? Pourquoi ils savent qu'ils doivent s'ouvrir? Ils savent qu'ils doivent s'ouvrir parce que ce canal s'est ouvert, a basculé la polarité, c'est devenu positif à l'intérieur et ça a été ressenti par ceux ici et se sont ouverts à la suite. Donc c'est quand même assez étrange que je vous explique et c'est assez compliqué parce que j'ai commencé en exposé, en vous expliquant parce qu'il y a des gradients d'ions et des canaux. C'est ça qui permet d'électrifier la membrane. Mais maintenant, je vous dis que l'électricité et le voltage de la membrane
détermine si le canal peut ouvrir ou fermer. Donc ça, c'est une récursion. Donc le canal détermine le potentiel de la membrane, mais le potentiel de la membrane détermine si le canal est ouvert. Donc c'est une espèce de boucle fermée. Donc les canaux de sodium et de potassium, ce sont des canaux qui sont dépendants du voltage. Ils sont très différents. Les canaux de sodium s'occupent des sodiums et le canal de potassium s'occupe du potassium, mais ils ont la même architecture qui leur permet de faire ce genre de choses. Et si on présente les choses différemment, donc ça c'est la membrane, donc je vous montre la partie supérieure du cylindre, donc ça c'est en dehors de la cellule, ici à l'intérieur de la cellule. Donc imaginez que c'est une cellule repos, et ici je dis à ce canal sodium, ouvre-toi, où j'enfonce une aiguille dans la cellule, donc le sodium s'y précipite et passe du repos négatif au positif à l'intérieur. Une milliseconde plus tard, on voit qu'il y a étalement ici et là, qu'il y a voyage le long de la surface de la cellule, un petit peu comme si j'envoie une petite pierre sur un étang, et on voit les mouvements. Donc c'est un petit peu comme les impulsions nerveuses, parce qu'il y a un basculement de polarité, et ça se passe ainsi parce que les canaux s'ouvrent, parce qu'ils sentent que la membrane est en train de devenir positive à l'intérieur. Pourquoi ? L'idée de base étant celle-ci, et on peut le comprendre grâce à ce dessin. Imaginez, vous avez un canal, un petit peu comme ceux qu'on a étudiés, disons un canal de potassium. Mais dans ce cas-là, c'est un canal de potassium déterminé par le voltage. Donc il y a des structures supplémentaires qu'on appelle des capteurs de voltage avec une architecture particulière qui va donner au canal cette propriété de lire le voltage. Et comme vous voyez dans le dessin, je montre que cette partie-là de la protéine a des charges positives. Amino acides. Par exemple, des acides aminés, quelques éléments sur cette chaîne qui portent une charge positive et qui sont bloqués à cet endroit. Lorsque le canal est fermé, ces charges positives se trouvent ici, c'est-à-dire que la membrane est négative à l'intérieur et donc le canal se ferme. Imaginez maintenant que la membrane soit rendue positive à l'extérieur par un canal sodium qui s'ouvre. Les éléments sont poussés vers l'extérieur et le canal s'ouvre. C'est un peu un dispositif de couplage électromécanique. S'il y a un ingénieur électricien dans le public, c'est l'analogie de la nature par rapport à ce qu'on appelle l'effet de transistor de champ. Mais c'est un effet de transistor extrêmement limité sur le plan géographique. Voici l'architecture de ce canal de potassium dépendant au voltage. C'est très différent des autres canaux que je vous ai déjà montrés, mais vous êtes en train de vous demander, mais où se trouve le canal de potassium? Il est probablement au milieu à l'intérieur. Vous reconnaissez cette forme un peu d'entonnoir maintenant. Et lorsque vous les rencontrerez dans la rue, vous direz, ah tiens, voilà un canal potassium maintenant. Bon, probablement vous ne voudrez plus en entendre parler jusqu'à la fin de vos jours, peu importe. En tout cas, ça c'est un canal de potassium et qui est entouré par 4 capteurs de voltage, un sur chaque sous-unité. Cette partie est à l'intérieur de la cellule qui fait un certain nombre d'autres choses. C'est très important pour la propriété de ce canal, mais ça n'est pas essentiel pour le voltage, donc je ne vais pas vous en parler. C'est l'architecture qui nous intéresse, c'est ce qui traverse la membrane. Donc ici, voici une représentation différente qui vous permet de voir plus facilement en bleu le canal potassium qui traverse la membrane. La membrane se trouve ici, vous voyez les ions de potassium et les capteurs de voltage. Vous voyez la manière dont ils sont reliés les uns aux pores par le biais de ces structures horizontales en forme d'hélice alpha qui l'entourent comme une manchette ou comme une espèce de ressort autour des pores. Cela entoure la partie que nous avons vue s'ouvrir et se fermer dans les autres canaux potassium. Donc nous regardons ça de façon plus poussée. Ce genre de choses peut certainement changer de forme et pousser en fermant le canal, alors que celui-ci est ouvert. Hein. Alors qu'est-ce que nous voyons exactement? Si nous brisons le capteur de voltage, le regardons de plus près, et l'hélice. Voici cet extrait.
du dispositif, l'hélice horizontale qui est en contact avec le port. Et la partie que j'ai montrée en rouge est très importante puisque d'autres expériences nous montrent qu'il y a des mouvements très importants qui se produisent lorsqu'on change le voltage. Les acides aminés que je vous ai montrés, qui sont ici, sont porteurs d'une charge positive, celui-ci, celui-ci, celui-là, c'est-à-dire qu'il y a charge électrique dans des conditions physiologiques normales. Il y a donc une protéine transmembrane avec une hélice, cette structure qui est attachée à cette hélice horizontale qui est poussée contre le port avec des charges positives. Imaginez que tout ceci soit intégré à la membrane. C'est la membrane qui est chargée. Donc il y a un champ électrique dans la membrane qui peut s'exercer sur ces éléments. Lorsqu'il y a charge électrique, ces éléments sont poussés vers l'extérieur, alors que lorsque la charge est positive, ces éléments sont poussés vers le haut dans la position que vous voyez ici. Cela vous donne une petite idée de ce qui se passe lors du fonctionnement de ce couplage électromécanique. Je vous ai dit que c'était pour moi ce qui était le plus intéressant, mais aussi le plus compliqué. La complexité vient du fait qu'il n'y ait qu'une seule confirmation ouverte. Dans les autres, on peut ouvrir, fermer, prendre le PIP2, enlever la protéine G et voir ce qui se passe. Dans ce cas-ci, nous n'avons pas pu enlever le voltage. Et c'est impossible. Il est impossible de procéder de la sorte. Il faut passer par d'autres astuces et donc le problème n'a pas encore été résolu. Néanmoins, on peut d'ores et déjà voir ici le principe du fonctionnement de ce mécanisme. Ça, c'est avec une unité à charge positive qui permet d'agir sur ce levier et de fermer le port. Ça, c'est hypothétique et ça repose sur les autres structures fermées de canaux potassium. Il est possible que ces leviers poussent vers le bas et entraîne la fermeture du port. C'est ce qui permettrait probablement de faire fonctionner le capteur à voltage. C'est ce qui fait ce que vous voyez à l'écran et donc provoque le changement dont nous parlions. Donc, c'est ce processus sur lequel nous sommes encore en train de travailler et c'est ce qui permet à un canal proche d'un canal à voltage de lire la tension, le voltage, et de la transmettre, ce qui est absolument central pour la propagation de l'influx nerveux. Il y a encore beaucoup de choses à comprendre en la matière. Il y a des commandes ou des contrôles sur des canaux de potassium très nombreux dont je n'ai même pas parlé. Il y en a un, par exemple, qui s'ouvre lorsqu'on touche la cellule. Donc, j'ai parlé des canaux qui activent les protéines G, le voltage, etc. Mais il y en a d'autres qui sont activés au toucher. Et on ne comprend pas encore exactement en neurosciences comment cela fonctionne. On ne sait pas exactement les fonctionnements de l'odorat. Oui, on connaît un petit peu, mais le toucher, on connaît très mal. Donc on ne sait pas très bien comment cela fonctionne et quels sont les mécanismes en jeu. Nous n'en savons rien. En fait, on a la structure d'un de ces canaux. On peut regarder ce canal, ça nous donne des éléments d'information, mais on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Il y a des canaux de potassium qui réagissent à d'autres éléments, tels que le calcium. Donc, il y a une diversité incroyable en la matière. Nous sommes arrivés au stade où nous pouvons comprendre la biophysique sur la base de cette architecture. Mais je crois qu'un jour prochain, nous pourrons contrôler, commander la manière dont les canaux s'ouvrent et se ferment à l'aide de molécules qui, espérons-le, aideront à guérir certaines maladies parce que les canaux potassium, évidemment, maîtrise la propagation de l'influx nerveux, la libération des hormones, l'insuline par exemple. Donc si l'on peut comprendre l'architecture de la chimie à un niveau très approfondi, on pourra sans doute réguler ces processus pour guérir certaines maladies, mais ça n'est pas pour tout de suite. Et enfin, je conclue avec un transparent extrêmement important parce que tout ce travail que je vous ai décrit est réalisé non pas seulement par moi-même mais par un grand nombre de savants qui travaillent avec moi depuis des années et qui viennent du monde entier, d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Sud, du monde entier vraiment. C'est vraiment ce qui est formidable dans ma vie de savant. Chaque fois que je me plains
en disant par exemple « je n'ai pas reçu ma bourse ». Je me dis en même temps, finalement j'ai de la chance parce que je connais des gens du monde entier qui viennent pour travailler avec moi, qui viennent pour apprendre en même temps que moi, pour essayer de résoudre tous ces problèmes. Voilà la liste des personnes qui, dont le travail est en rapport direct avec tout ce dont je vous ai parlé. Le travail sur le P2 est fait par Shao Tao et Scott Hansen, ce qu'on est maintenant à l'Institut Scripps en Floride. Pour le canal aux protéines G, le travail est réalisé par Matt Wharton, qui est en train de chercher du travail. Donc, je vous fais de la publicité pour lui. C'est un excellent savant. Le travail sur le canal à voltage est réalisé par Steve Long, qui est en Californie, Shao Tao également, et Ernest Campbell, avec lequel je travaille depuis de nombreuses années. Et voilà, tous les autres qui ont contribué à mon travail. Merci beaucoup de votre attention. J'aimerais juste vous rappeler, si vous avez des questions, de remplir les fiches. Les hôtesses vont passer les prendre maintenant. Alors, nous avons un petit problème parce que toutes les questions sont très bonnes. Merci beaucoup. J'espère que vous n'avez rien prévu avant 2 heures du matin. Toutes ces questions sont absolument excellentes. Je vais les sélectionner au hasard. Comment le venin d'un serpent ou d'une araignée bloque le canal? Je vais traduire. Comment le venin du serpent ou de l'araignée bloque-t-il le pompe ou les canaux? Alors, excellente question, effectivement. Dans le cas des canaux de potassium, nous savons beaucoup de choses. Il est très intéressant que la personne qui a posé la question se soit consacrée aux serpents ou aux araignées, parce que le phénomène est différent dans les deux cas. Alors, ça dépend des serpents, mais les serpents, ceux que nous connaissons le mieux, les mambas en Afrique, les mambas verts et noirs, mortels. Le traitement recommandé si vous êtes mordu par un mamba et que vous êtes loin d'un médecin ou d'un service médical consiste à vous allonger sous un arbre et profiter à plein de vos dernières minutes. Donc, comment est-ce que ça marche? Eh bien, le venin contient une protéine, une petite protéine qui arriverait juste en haut du canal pour le bloquer. Elle mesure de 35 à 40 acides aminés sur un plié les uns avec les autres, qui forme une petite structure rigide, qui a juste la bonne forme pour bloquer l'entrée du canal. C'est tout. Chez les scorpions, c'est à peu près semblable avec une structure différente. Mais cela s'intègre aussi parfaitement bien dans un grand nombre de canaux potassium. Pour les araignées, en revanche, celles que nous connaissons le mieux, ce sont les tarentules, ces grandes araignées poilues que l'on connaît des films d'horreur, produisent une protéine qui se fixe sur les capteurs de voltage. Donc, on peut même dire quelle est la partie des canaux qui est la plus importante en demandant comment la nature a réussi à trouver un mécanisme pour les attaquer. En l'occurrence, ce sont des espèces de bouchons qui bloquent l'entrée des pores pour les serpent, ou bien lorsque vous avez des toxines qui bloquent les capteurs de voltage, comme dans le cas des araignées, il y a blocage et impossibilité de bouger pour ce canal. Donc les deux exemples cités sont parfaitement pertinents. Autre question.
Est-ce que nous connaissons d'autres systèmes dans la nature qui imitent les canaux ions? C'est-à-dire que le transport de la charge se déroule de la même manière? La réponse est oui. Il s'avère effectivement qu'il y a beaucoup de toxines bactériennes qui imitent ce système. En réalisant des membranes, des canaux dans la membrane, mais qui sont non sélectifs, qui pénètrent la membrane et qui y forent un trou. Et lorsque c'est cela ce qui se produit, je vous ai décrit la cellule comme ayant un système d'électrification de la membrane avec des canaux sélectifs. Imaginez ce qui se passe si vous insérez dans cette membrane, dans la cellule, dans la membrane cellulaire, plutôt un canal non sélectif. Le sodium rentre, sort, le potassium rentre et sort, tout s'effondre, la cellule meurt. Et c'est la raison pour laquelle ces toxines sont toxiques. Il y a une toxine que l'on connaît bien pour les pompes. Les détails de son fonctionnement ne sont pas encore totalement connus, mais c'est une toxine très connue qui s'appelle la pilitoxine, qui vient de coraux mortels. Lorsque cette toxine se fixe sur le potassium ou la pompe de potassium, elle l'ouvre complètement. Elle garde ouvert la pompe et le sodium et le potassium circulent librement. Et la cellule est ainsi totalement assassinée. C'est la plus mortelle toxine qui existe. Elle tue des nanogrammes de matériaux. C'est donc cette pilitoxine qui est tout à fait mortelle pour la cellule parce qu'elle laisse la pompe ouverte et le sodium rentre dans la cellule, le potassium s'en échappe. Il y a donc effectivement des mécanismes dans la nature qui subvertissent les mécanismes naturels du bon fonctionnement de la cellule. Quelle est la genèse du canal potassium? Quand sont-ils nés et chez quels organismes vivants? Les canaux de potassium se trouvent tout au long de l'arbre de la vie, dans les bactéries, les eucaryotes, les champignons et tous les autres types d'êtres vivants. Les canaux de potassium que l'on trouve chez l'être humain ne sont pas les mêmes, mais tous ces canaux présentent des caractéristiques similaires. On peut donc en conclure que les canaux de potassium ont vu le jour très tôt dans la vie. Et d'ailleurs, les porcs sont des invariants, qu'il s'agisse de tout type d'êtres vivants ou non. Ce sont des éléments fondamentaux de la vie qui sont donc maintenus et qui se sont préservés tout au long de l'évolution. Pourquoi le signal, l'impulsion électrique, va-t-elle dans une direction le long de l'axone, de droite à gauche, et pas dans l'autre, ou bien dans les deux? Bonne question. Si vous prenez l'axone du nerf, j'ai décrit cela en disant « supposons que le signal vienne de gauche à droite et il continuera à aller vers la droite ». Si j'ai formulé les choses comme ça, c'est parce que si on prend un axone qui n'a pas d'impulsion et que vous lancez l'impulsion au milieu de l'axone, en mettant par exemple une petite aiguille, et en faisant arriver du sodium, et bien dans ce cas-là, l'impulsion ira dans les deux directions, ce qui soulève précisément la question. Pourquoi, lorsque l'impulsion va de gauche à droite, l'impulsion ne revient-elle pas dans l'autre direction aussi? La raison, c'est une des beautés de la nature, c'est que les canaux, lorsqu'ils s'ouvrent, se désactive ensuite. En d'autres termes, juste après s'être ouvert, il est impossible de les redéclencher à nouveau. On dit qu'ils sont réfractaires. Nous ne comprenons pas exactement toutes les modifications architecturales qui se déroulent à ce niveau, mais un canal activé n'est pas en mesure de se réactiver pendant plusieurs millisecondes qui suivent. Probablement le canal s'ouvre,
subi un changement de confirmation et avant qu'il retrouve son état initial, ça prend un certain temps. Il y a donc des modifications de forme différentes. Et ça, c'est un point très important parce que si le canal pouvait immédiatement provoquer une nouvelle impulsion, chaque fois qu'il y a une impulsion, il y aurait des impulsions dans le sens contraire en même temps et tout le système nerveux ne pourrait pas fonctionner. Vous auriez une impulsion puis ensuite vous auriez, un choc. C'est parce que le système est réfractaire. Il entre dans un stade réfractaire juste après avoir été activé et il faut un certain temps avant que le système ne retrouve sa capacité d'activation à nouveau. Un canal potassium, comment est-ce que l'on détecte qu'il est ouvert et qu'il est fermé et quelle est la rapidité de ce processus? Une des manières de le détecter, c'est précisément d'utiliser les méthodes que je vous ai montrées, c'est-à-dire que vous regardez l'ouverture et la fermeture du canal individuel. Le processus prend des millisecondes, des dizaines, des centaines de millisecondes. À l'échelle moléculaire, c'est assez lent. À peu près aussi rapide que possible pour une protéine complexe. Nos enregistreurs peuvent être aussi rapides que cela. Nous pouvons donc mesurer le temps de connexion des canaux. Vous supposez que la structure et la forme de la protéine soient la même sous forme de cristal que dans la cellule. Est-ce que vous en avez la preuve? Dans tous les cas, nous nous demandons chaque fois si effectivement il y a correspondance. C'est donc une excellente question. Et c'est pour cela qu'il est important de réaliser des expériences dans les membranes de la cellule pour voir si ce que l'on a observé dans les cristaux se répercute dans les membranes. Je vais vous prendre un exemple. L'exemple d'un cas où nous avons examiné la situation, nous avons vu que probablement, dans un contexte normal, il n'y avait pas confirmation de ce que l'on observait avec les cristaux. Dans un cas, nous avons mis des groupes réactifs chimiques, des parties de la protéine sur le canal pour tester si la forme de la protéine, la partie qui dépasse la membrane au-dessus de l'intérieur, était au même endroit que ce que l'on observait dans les cristaux. Et ce faisant, on pouvait donc tester si tout était conforme pour les canaux dans la membrane et dans les cristaux. Or, il s'est avéré que pour la plupart des protéines, la forme ou les quelques formes que les protéines peuvent adopter sont les formes qu'elles aiment adopter, c'est-à-dire qu'elles sont plus stables que dans la nature. Les cristallographes des protéines ont beaucoup de chance. Eh bien, comment le savez-vous? Eh bien, parce que des expériences ont été faites, des expériences fonctionnelles, pour s'assurer que tout soit conforme, et apparemment, les groupes se conforment en fonction des expériences fonctionnelles. Il y a donc de nombreuses manières de regarder les protéines pour s'assurer qu'il n'y ait pas de grandes différences, ni même de petites différences entre les deux types d'états. Est-ce que l'un des composantes de la régulation des canaux de potassium est utilisé chez les personnes qui ont un problème de rythme cardiaque? Et comment savons-nous que le canal de potassium ralentit le rythme cardiaque? La deuxième partie de la question est tout à fait facile. Il y a des cellules de pacemaker dans le cœur qui diminuent la fréquence cardiaque. Ces cellules fonctionne de la façon suivante. Si vous mettez une électrode dessus et que vous mesurez le voltage de la membrane, il y a un voltage négatif qui tout d'un coup devient positif et arrivé à un certain niveau, il y a
potentiel d'activation. Le canal sodium s'ouvre, il y a dépolarisation, davantage de potassium, de canaux de potassium dépendant du voltage s'ouvre, etc. Et après un certain temps, le système redevient positif, ce qui est lié à l'activation de certains canaux de potassium qui ont des propriétés de gating dont je n'ai pas parlé, mais l'on ouvre davantage de canaux de potassium et donc l'ensemble de la membrane devient plus négatif et la membrane devient beaucoup plus lentement positive et n'ouvre pas nécessairement tous les canaux. Et donc, il y a régulation du rythme cardiaque dans la membrane. Il y a espacement des intervalles entre les moments d'activation de la membrane. Donc, il y a beaucoup d'éléments connectés qui sont assez complexes à cet égard. Mais c'est une petite idée de la description de la fonction, de cette fonction. Il y a davantage d'ouverture de canaux de potassium qui rendent la tension négative et donc il y a plus de temps nécessaire pour parvenir à la prochaine activation qui déclenche la prochaine ouverture du canal potassium. Autre question, donc, est-ce qu'il y a des composants qui sont utilisés en médecine pour aider les personnes qui ont des problèmes de fréquence cardiaque ? Pas encore, mais l'industrie pharmaceutique aimerait beaucoup qu'il existe des inhibiteurs du canal de la protéine G dont j'ai parlé, qui agissent de façon spécifique. En effet, il y a un problème d'arythmie qui s'appelle le fibrillation atriale et je peux vous garantir qu'il y a des personnes dans la salle qui en souffrent. Et si vous êtes très jeune et que vous souffrez de cela, il y a quelques bons traitements qui existent, des procédures qui permettent de brûler en quelque sorte certaines parties du fonctionnement cardiaque pour supprimer la fibrillation. D'ailleurs, je dois dire que la moitié de ma famille en est atteinte et moi aussi j'en serai atteint parce que ma famille est génétiquement susceptible de vulnérable à ce problème. Et il y a des modèles chez les souris où l'on provoque la fibrillation et on a découvert en étudiant les souris que si l'on ne supprime pas le canal potentiel, les canaux G, on peut provoquer la fibrillation. C'est la raison pour laquelle l'industrie pharmaceutique veut un inhibiteur de ce système. Mais personne n'a encore découvert une petite molécule qui agisse de façon spécifique sur ce canal de potassium et pas sur les autres. Mais il y a sans doute des moyens, maintenant que l'on en apprend beaucoup plus sur les canaux, il y a sans doute des moyens de parvenir à une solution qui pourra aider les personnes victimes de cette condition. Est-ce qu'il est possible de mesurer ? J'arrive pas à lire, excusez-moi. J'arrive pas à lire, et vous l'avez traduite, mais je ne l'ai pas déchiffrée. Comment est-ce que l'on mesure les tensions très faibles ? Ah oui, d'accord, le voltage, d'accord. Comment est-ce que vous mesurez les voltages ? Eh bien, avec une électrode dans la cellule. Il est très facile de mesurer les voltages. Les fluctuations de voltage normales à l'intérieur d'une membrane cellulaire peuvent être mesurées de façon assez plus précise que les variations normales. Donc, dans de nombreuses expériences, en fait, on utilise des circuits électriques où l'on met les électrodes dans la cellule et le circuit contrôle le voltage. On met le voltage au niveau voulu et on mesure le courant à travers la membrane cellulaire. Donc, on peut contrôler le voltage. En fait, la mesure du voltage est très précise et on peut le faire de façon excellente. C'est un des avantages des études que nous faisons. Autre question. Est-ce que je suis inspiré par la physique quantique ? Oui, je suis aussi mystifié par la physique quantique, mais ça n'a pas de rapport avec mon travail. Parce qu'en fait, les protéines, les atomes qui rendent les protéines assez lourdes, les ions d'atomes sont assez lourds, dans tout ce dont nous parlons, tout ce dont je vous ai parlé peut être décrit selon les règles de la physique classique. La physique quantique, pour nous permettre de comprendre les processus de diffusion, diffusion des ions et diffusion des protéines. Lorsque je dis diffusion des protéines, c'est-à-dire le bourdonnement, le
la palpitation de la protéine en elle-même, c'est quelque chose qui relève des règles de la physique quantique. Mais évidemment, les forces qui sous-jacentes, les forces atomiques qui sous-tendent le système qui permet de comprendre les mouvements des protéines ne relève pas de la physique classique. Donc, si vous voulez avoir une description des champs de force pour décrire les mouvements au sens classique, ces champs de force apparaissent pour des raisons de mécanique quantique. Mais nous ne sommes pas obligés de nous y pencher pour l'instant. Cela dit, un des problèmes principaux de la compréhension des protéines, pourquoi est-ce que l'on ne pourrait pas prendre un polypeptide, déplier, le regarder, le plier et déterminer comment il se plie, quelle forme il prend et quelle fonction il exerce et comment cela pourrait se faire? En fait, on devrait pouvoir le calculer avec un ordinateur, mais on ne peut pas le faire encore. Un des problèmes, j'en suis convaincu, c'est au niveau de notre compréhension fondamentale des champs de force dans les protéines. Well, I'll just finish these two unless you're tired. À moins que vous ne soyez fatigué, je vais encore essayer de répondre à ces deux dernières questions. Que se passe-t-il dans l'organisme lorsqu'il y a déficit de potassium? Je pense que c'est quelqu'un d'autre qui devrait plutôt répondre. Excellente question en tout cas. Lorsque j'étais médecin, si par exemple des gens souffrant d'hypertension artérielle ou d'autres problèmes cardiaques, défaillance cardiaque, ça n'est pas vraiment une défaillance cardiaque, mais peu importe, prenez des diurétiques. Il y a donc des médicaments, ce sont des médicaments qui vous permettent d'évacuer les quantités excessives de liquide que vous avez dans l'organisme, en d'autres termes, d'aller faire pipi. Eh bien, lorsque vous prenez ces diurétiques, un des problèmes, c'est dont on se débarrasse. Ce dont on se débarrasse, c'est pas seulement du liquide, mais aussi du potassium. Les personnes qui souffrent d'hypertension et d'autres problèmes cardiaques ou d'autres problèmes, donc, lorsqu'ils arrivent en urgence, on mesure immédiatement leur niveau de potassium. En effet, si ces personnes prennent des diurétiques et que le niveau de potassium s'abaisse, ça devient dangereux pour l'organisme. Je vous ai décrit en effet le fait que le degré d'électrification de la membrane cellulaire est dicté par le gradient de potassium. Et je vous ai dit que quand il y avait beaucoup de potassium à l'intérieur et peu de potassium à l'extérieur, peu, ça ne veut pas dire zéro, à peu près 4 millimoles. Et il se trouve que le voltage est une constante du logarithme de la concentration de potassium à l'intérieur par rapport à l'extérieur. Et ces chiffres à l'extérieur sont minimes, mais il y a un petit changement qui peut provoquer des effets considérables. L'organisme, normalement, doit conserver le niveau de potassium entre 3,5 et 5 millimoles. Mais dès que l'on sort de cette plage, et en particulier vers le bas, on affecte l'excitabilité électrique des cellules et notamment donc le rythme cardiaque. Et c'est cela qui provoque l'arythmie. Donc le déficit de potassium est une très mauvaise chose pour l'organisme. Et c'est la raison pour laquelle la chimie contrôle de façon très très rigoureuse le niveau de potassium dans l'organisme. Maintenant que la question du canal de potassium est résolue, est-ce que vous voudriez résoudre une prochaine question? Ben écoutez, je suis plus un physiologiste qu'un biologiste structurel. Il y a beaucoup de gens qui me demandent sur quoi je travaille, plusieurs canaux. Oui, c'est vrai, le calcium et le sodium, par exemple, et les canaux de chlorure. Mais surtout les canaux de potassium, parce que ce qui m'intéresse, c'est précisément les mécanismes de contrôle dont je vous ai parlé. Il y a 78 canaux dans cette famille dont je vous ai parlé. Je ne veux pas résoudre la structure de tous ces 78 canaux. En fait, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais j'aimerais quand même dégager quelques phénomènes ou mécanismes fondamentaux. Une fois que j'aurai compris ces mécanismes d'impulsion nerveuse, par exemple, je vous ai un petit peu parlé de cela à la fin de mon exposé, on sait très peu de choses de la sensibilité au toucher. Nous n'en savons vraiment presque rien. Nous ne connaissons pas les règles physiques fondamentales du toucher. Donc, ces inconnus m'intéressent, moi, personnellement.
Autre question. Est-ce qu'il existe des possibilités pharmaceutiques d'agir sur le canal potassium? La réponse est oui, et je crois déjà en avoir cité quelques-unes. Dernière question. Voilà une question à laquelle je crois nous pouvons essayer de répondre tous. Qu'est-ce que les institutions européennes pourraient tirer comme enseignement de l'Université Rockefeller? Moi, je travaille pour l'Université Rockefeller. Ma recherche est soutenue par l'Institut médical Howard Hughes et je me considère comme étant un des savants les plus chanceux de tous les États-Unis parce que ce que j'aime à l'Université Rockefeller et ce qui est formidable dans le système de financement, je vais vous l'expliquer et d'autres pourront réagir à ça. Rockefeller, c'est une petite université nous n'avons pas de tâches administratives, nous n'avons pas de département, nous avons un président et des laboratoires. Il n'y a pas de centre, de regroupement, de département, etc. Nous avons quelques petits noms de centres qui existent à des fins de collecte de fonds, mais à l'Université Rockefeller, nous avons simplement nos laboratoires individuels, nous nous concentrons sur la recherche scientifique et il n'y a pas beaucoup de tâches administratives qui nous détourne de nos activités scientifiques. Donc c'est un excellent endroit, c'est un endroit formidable. J'ai donc beaucoup de chance de travailler dans un tel institut parce que c'est de la science où l'on produit des rapports d'avancement. Tous les 5 ans, mon mandat vient pour renouvellement et il ne sera pas renouvelé si mes résultats scientifiques ne sont pas bons. Peu importe le nombre de prix que l'on m'aura décerné dans l'intervalle. Ce que l'université veut savoir, c'est ce que l'on a fait récemment. Quels ont été effectivement les résultats de recherche dans les 5 dernières années depuis la dernière reconduction en fonction. Et non pas les 35 publications ou autres. Non. On nous demande de montrer les 5 documents dont nous sommes les plus fiers. Et c'est tout. Et puis, dites-nous un petit peu ce que vous souhaitez faire pour l'avenir. En d'autres termes, ça répond à des règles de bon sens. On regarde le passé le plus récent pour faire des projections sur l'avenir le plus proche. Faire une extrapolation en quelque sorte pour voir si le travail mérite 5 années de soutien financier. C'est excellent, me semble-t-il. Je remplis quelques pages de description de ce que j'ai fait et de ce que je souhaite faire, c'est tout. Et ensuite, je comparais devant un panel et je réponds à un certain nombre de questions et ces gens décident si je mérite d'être financé pour les 5 prochaines années. Ça me semble une excellente formule. J'espère pouvoir continuer à travailler. J'espère que le panel continuera à décider en ma faveur, mais si ça n'est pas le cas, eh bien, j'espère en tout cas pouvoir dire non avant qu'on me mette dehors. En tout cas, voilà ce que je pouvais dire à propos de ma situation et je suppose qu'il y aura des avis peut-être un peu divergents là-dessus ou d'autres expériences en matière de financement, mais peut-être aussi des similitudes. En tant qu'Américain qui suis allé en Angleterre, je peux vous dire que l'Europe n'est pas monolithique. Il y a des pays tels que la Grande-Bretagne ou la Suisse où la recherche scientifique est excellente et où l'intention est de protéger cette recherche scientifique qui est d'un niveau tout à fait comparable à celui des États-Unis. Il y a d'autres pays d'Europe qui s'en tirent un peu moins bien. Les pays qui s'en tirent bien appliquent la recette de Rhodes, c'est-à-dire ce sont des méritocraties où l'on juge les gens sur la base de leurs résultats passés et sur la base des perspectives de succès qu'ils offrent pour l'avenir, sans prêter trop d'attention à la question de savoir si ce sont des gens très importants, s'ils ont beaucoup d'autorité, s'ils sont reconnus par leur père, et ainsi de suite. 2 autres choses encore doivent être dites. Les pays qui ont du succès permettent à des chefs de groupe ou aux membres du personnel enseignant d'intervenir très tôt, alors que les pays qui n'ont moins de succès demandent aux jeunes de s'agréger à un groupe de personnes plus reconnues et avant d'avoir la liberté d'agir, ces jeunes ont déjà atteint 50 ans. Il est vrai que les gens sont plus créatifs, font preuve d'un esprit d'aventure, plus aventureux lorsqu'ils sont plus jeunes. Je sais que ça ne correspond pas aux idées reçues, mais prenez n'importe quelle grande découverte. Prenez même n'importe quel livre qui a été rédigé dans la littérature et vous constaterez
que le meilleur travail fourni l'a été à un jeune âge. Certes, d'autres ouvrages ont été publiés par la suite, s'appuyant sur les résultats antérieurs, mais les grandes percées ont été réalisées par des gens jeunes. Le système devrait donc encourager l'innovativité à un jeune âge et donner aux gens ou aux jeunes la liberté d'agir très tôt. Andrew Holmes, I think I can add to that. Je crois que je pourrais ajouter que nous vivons dans un monde où la société est tributaire de résultats rapides, et c'est une question qui se pose de plus en plus souvent. L'accent est donc mis sur la traduction des découvertes dans leurs applications. Ce que vous venez de dire est une source d'enseignement. Deux présidents de la Royal Society ont dit « Ce qui est de la science fondamentale aujourd'hui sera de la science appliquée demain ». Ça n'est peut-être pas la solution miracle, mais c'est une façon de voir les choses. Je rebondirai là-dessus en disant que j'ai vraiment beaucoup de chance de travailler à l'Université Rockefeller et d'être financé par l'Institut médical Howard Hughes. Mais je plaide en faveur de changements des systèmes de financement aux États-Unis lorsque ces systèmes ne fonctionnent pas. De plus en plus d'accent est mis sur les résultats rapides et ce qu'on appelle la recherche transitionnelle. C'est un terme qui m'inquiète beaucoup d'ailleurs. Il y a un directeur du NIH qui vient de passer au Centre national de la recherche et qui a mis un terme à une partie importante de cette recherche pour se concentrer sur la recherche transitionnelle. Ça m'inquiète énormément, précisément pour les raisons qui ont été avancées. Le travail fondamental, c'est ce qui provoque le travail appliqué ou la recherche appliquée par la suite. Oui, l'Europe, vous savez, était connue dans le passé pour ses découvertes fondamentales qui s'étalaient sur des décennies. Je reprends l'exemple mentionné par Rob dans son intervention. L'idée des potentiels est venue de Cambridge. L'idée de la résolution des structures des protéines a été émise à Cambridge également. La réalisation de cristaux à partir de protéines est venue de l'Allemagne. Donc il y a beaucoup d'exemples de travaux fondamentaux venant d'Europe. Mais de plus en plus, les gouvernements européens, en particulier, cela s'est imposé d'en haut depuis l'Union européenne, etc. Mais les gouvernements individuels aussi ne cessent de dire qu'il faut davantage appliquer les résultats de la recherche pour que nous nous rapprochions de ce qui se fait aux États-Unis. Mais ils veulent en réalité être comme les États-Unis en termes de transformation des découvertes fondamentales en applications importantes. Genentech et d'autres entreprises ont du succès et ils veulent s'en inspirer. Mais ce succès ne vient pas du financement de recherche transitionnelle. Ce qui rend les États-Unis particulièrement forts à cet égard, c'est l'idée du capitalisme risque, du fait que les gens sont prêts à prendre des risques pour lancer des entreprises. C'est un état d'esprit, c'est une mentalité qui permet aux Américains de créer des entreprises nouvelles. Ce n'est pas parce que les gouvernements ou le gouvernement américain finance la recherche transitionnelle qu'il faudrait faire de même en Europe. Le fait de prendre des risques, c'est culturel. Pour pouvoir prendre des risques, il faut que la société ne vous punisse pas si vous échouez. Donc, si vous lancez une entreprise et qu'elle échoue, il ne faut pas que vous soyez stigmatisé, que vous soyez au contraire considéré comme une personne courageuse qui a eu l'audace de prendre des risques de fonder une entreprise. C'est ça la différence fondamentale de mentalité entre la culture américaine et certaines des cultures européennes où, lorsque vous échouez, vous êtes vraiment voué aux gémonies. Ok, merci beaucoup pour la réponse à toutes les questions, pour les questions, pour la discussion. Et je vous donne rendez-vous demain à 18h30 pour les aquamatériaux.